This is the biggest radio show. Well, this is Party Time Show. And we are from the heart of Parish Town. This is the baddest radio station. Stranger Mila tell you no fit on a no radio. Cause this is Party Time Show. And we are from the heart of Parish Town. This is the baddest radio station. Party time a lot down the road. Grand bonsoir à toutes les auditrices, tous les auditeurs, tous les internautes bien connectés sur le www.partytime.fr. On est bien connectés également sur Facebook, sur Twitch, sur la Baco Station, sur tous les réseaux, sur YouTube et autour de la planète entière. Aux commandes ce soir, avant de présenter l'artiste qui est à mes côtés, parce que là je suis aux anges, hein, pour pas dire autre chose. Bref, à mes côtés pour ouvrir le bal, bien sûr, monsieur Jahil. Comment ça va, tonton? Ça va, on tient. Et hein, tout va bien? Et toi, mon frère? Les enfants vont bien? Ouais, les enfants en tout cas vont bien. Bon bah tout va bien. Au contrôle des platines, on la présente plus. La Selecta nationale number one, Chica au mix. Et là, Mathia est là à la régie son. Et bien sûr, monsieur Flo à la régie vidéo. Toute l'équipe de Party Time, on en place une pour tous ceux qui sont tout autour de la planète, comme Nizou, comme toute la famille Party Time aux quatre coins du globe. J'en place une spéciale aujourd'hui parce que mon cœur est lourd, mon cœur est triste, mon cœur est vide. J'ai perdu un tonton, donc Hami Salah, Allah Yirahmou, comme on dit chez nous. Que Dieu ait ton âme, que les portes du paradis soient ouvertes pour toi. On dédicace cette émission et toute la bonne vibes et toute l'énergie, tout l'amour qu'on va en dégager pour toi, tonton. Voilà. On commence l'émission avant de retrouver en deuxième partie le groupe qu'on appelle Brain Damage. On va commencer tout de suite, mais alors avec un artiste. Mais moi, je suis fou de cet artiste depuis des années. Dès que j'ai écouté cet album Bond Street avec le morceau Walk Away From Love, qui est pour moi un masterpiece, un chef-d'œuvre du rocksteady et du reggae. Personnellement, voilà. J'appelle ça un traumatisme. C'est un traumatisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été créés depuis la sortie de ce morceau par rapport. Voilà. Justement, ouais. Il y a des gens qui ont dû avoir des bons moments sur ce morceau-là, tranquille au coin du feu. Voilà. Et on a l'honneur, le privilège, le prestige et tout le bonheur du monde à recevoir ce soir, monsieur B.T. McLean, qui vient nous présenter son nouvel album Forward, disponible depuis le mois dernier, le 15 avril, chez Taboo One, en combinaison bien sûr avec le plus célèbre des duos bass drum avec le regretté Robbie Shakespeare, Sly and Robbie, voilà, présent sur cet album avec B.T. McLean. Welcome B.T. I'm BT's brother. BT's not here today. No, I'm not. I'm sorry. What's your name? ZT McLean. I'm Hitty. I'm his. I'm Hitty McLean. Yeah, yeah. I write the hits. Yeah. You're an alien? Et voilà, ça commence bien. Enough respect. Thank you for having me here today. It's been a long time. I can't remember the last time I came to Paris. It's been so long. Mate. More than 10 years, maybe? Maybe within that time frame. So thank you for having me at Party Time. No respect to the Party Time family for having me here today. It's a real pleasure because you're kind of rare in interview. I know it's not your thing. It's not easy to take you. That's because Bitty's got a twin brother and he always sends him to do all the work. He's at home watching television. Lazy, he's ever so lazy, but I don't mind doing the work. It's nice, I get to see Paris and all these great cities in the world. So, you know, Hitty, I'm his twin, so it's all good. You're the real today. We have the real Bitty McLean today inside the building. We'll see when the rhythm starts, we'll see if it's the real one. Mm. When the rhythm start flowing, we'll see if it's the real BT. Yeah. But like I say, enough respect, man. Enough respect to you. Suspense. On va découvrir ce nouvel album qui est d'ores et déjà depuis un mois disponible et sur toutes les plateformes, en format, dans tous les formats possibles. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un nouvel d'ores album. Déjà un classique. Un et avec une grosse touche de Sly and Robbie comme on les aime. Et il y a une petite surprise dessus. Il y a un morceau qui m'a choqué parce qu'à l'époque, quand j'écoutais cette rythmique-là, je connaissais B.T. McLean. Je me suis dit, non, les deux ensemble, c'est pas possible.
Et Dieu merci, ils l'ont fait. Et un morceau qu'on va découvrir parmi les trois qu'on va jouer ce soir avant de le retrouver, bien sûr, en live. On commence tout de suite cette interview. Je te laisse les commandes parce que cet album, il y a beaucoup de choses à dire. Et sur la carrière du monsieur, interview de monsieur B.T. McLean tout de suite avec Jahil. Yeah, it's my time to interview the great B.T. McLean. Wicked man, let's do it, man. So, let's start with the beginning. You're from Birmingham? Born and raised in Birmingham. A place called Chemsley Wood in Birmingham. Okay. In 1972. You're making me feel old now, you know that. 72? 1972. That's not so old. You're still young. Born into a family of music. My dad was a sound system operator in the Birmingham area. So you grew up between records? As a young child, as opposed to nowadays where the television and video games are the focus of the house. In my era growing up, it was music. And the sound system that my dad played would be in the house as well. So on a Friday, he'd be sorting out his record box and stuff like that. So as a young child, that was my first memories of music. So you're the child of the blues parties. Yes. Definitely. I couldn't go, but I was there, and you know, seeing my dad and watching him build his sound system and put his thing together. And that was the bug from young childhood, from like 75, 76. I'd go to the record store when my dad picked up his pre-releases and stuff like that. So the musical bug was there from childhood until now. It's never left me, you know, the love of music. And you started to sing like you were like this? I was probably 8 or 9 when I first started singing, and singing began on my dad's sound system. Just me and my older brothers messing around when my mum and dad went to work. They'd plug up the sound, turntable and microphone and echo chamber. And we just used to mess around as kids. And one day this noise came out of me and my brothers looked at me like, do that again. And from there, just used to practice and stuff like that. I couldn't wait to finish school and come home, and we'd plug up again and just practice on rhythms. We were singing on rhythms like Joe Gibbs had an LP called African Dub Chapter 2. Classics. So those rhythms were the rhythms we used to practice That's on. That's funny, you know. Me, when my parents were away, I was like stealing candies. You were practicing rubber-dub. Yeah, we were practicing, man. From early. And it never stopped, even at the age of like 16, get home from school and start making cassettes and stuff like that and singing and practicing. Wouldn't really say singing was a career move, but it was just something that we loved doing in spare time. And any opportunity that I could get to sing around sound systems like Wasif for Showcase, that was a big sound in Birmingham, Now Generation, Romantic Bubbler. I took the chance and stand around the sound, and they give you the mic and you create a vibe. So it was always there, the musical bug. But for me, it was the technical side, learning about the decks and the mixing board, because my dad played, it wasn't a preamp, it was a mixer. Mm-hmm. So I kind of learned the technical side from a very early age. And having left school, I enrolled on a sound recording course and started to learn sound engineering. Yeah. Because 2 years. People got to know that BT is a singer, is a writer. Yeah. He plays instrument and is mixing engineer too. Yeah, that's my skill. That's Remember really UB40, yeah. For example. You started. Yeah. Is this story true that you were first like a sound engineer for UB40, and one day they heard you singing in the studio and say, what? What? Not quite. You can do it? Not quite. That's a kind of remix? It wasn't that kind of fascination. Wow, you can sing. No, the success story. Tell the truth. That's the Hollywood story. But no, it wasn't like that. No, I was working at their studio from the age of 18, 19. And when I got the job there, they were on tour. Mm-hmm. So the first 6 months of me being in the studio, I was engineering for outside bands that came in, rock and hip hop and stuff like that. So by the time they came back off tour, I was kind of like, I knew about the studio and programming and sampling and stuff like that. So I just fit straight into the whole program. They were starting an album called Promises and Lies. Yeah. And I was there. Me and Jerry Parchment was their senior engineer. So I was working with Jerry Parchment, and for 2-3 years we recorded and mixed one of their biggest selling albums. But the first time Ali Campbell saw me singing was the first day he came back off tour. Oh, and okay. I was behind the mixing board voicing, and I thought, oh, no,
as the face came closer to the glass, I thought, I know that face. And as he got close, I thought, oh no, I'm going to get sacked. I'm going to go. And he opened the door and he says, yeah, man, you sound good. Keep going. Yeah. So that's a true story. It wasn't, no, wow, yeah, you can sing. No, nothing like that. No, no, not at all. I just kept working on my thing, and in spare time in the studio, just putting my little ideas together. And from those ideas became some of my first chart success. Mm-hmm. Songs like It Keeps Raining, yeah, dedicated to the one I love, and Here I Stand. So those early recordings were the start. Raining for me is a real interesting tune, because musically it's like a blend of rhythm and blues and like some spice of mental music, you know, the guitars and even the line. Well, the when melody. We talk about sound system, people believe that sound system is just ska, rock steady and reggae music. But in my father's time, when he was growing up, sound system was rhythm and blues. Yeah, so it was Fats Domino, it was Wynonie Harris, it was R&B, it was American R&B. Mm-hmm. So that was the soundtrack. So Fats Domino kind of goes right back to the origins of where sound system is coming from, if that makes sense. So to me, it made sense. To a lot of people, Fats Domino, they didn't get it, but even before the Jamaican records. That's right. There were records coming from New Orleans. That's right. Yeah. You know, Cox and Duke Reed used to fly to America and bring back rhythm and blues records. So that's really part of the DNA of Jamaican music. It would be nice if sound system still played these original artists from the R&B to show the origins. It didn't just begin with ska or blue beat and to rocksteady. I'm always saying that, you know, between the Caribbean and the US, it's a kind of battle of ping pong party. Yeah, you know. Yeah, well, what you listen comes out, because again, the original musicians like Tommy McCook, they were really jazz. Jazz was their school. So even goes back to jazz, even before rhythm and blues. Mm-hmm. You know, a lot of the musicians were schooled in jazz music. So it's a mix and blend. It's a mix and blend of everything. Definitely. You know, and we have to give thanks and show respect to everyone that's played their part in this thing. About mix and blend and DNA, let's talk about this famous album that you did with a great work with Treasure Isle. Yeah, yeah, yeah. Music. On Bond Street. And I think that's probably nearly 20 years now. Yeah. So a different chapter of my career. But it was one of the first projects that I went back behind the microphone, because I was engineering, and I went back to doing engineering and production work. And I was even working, doing mentoring at a college where I was taught sound engineering. So I kind of put the mic down and said, yeah, I'm having a break from the whole thing. I got tired of chasing record companies and wasting time. Mm-hmm. You know, I think that's just a big waste of time when you're chasing people to get attention. So I said, forget this for a bit. And it was really a trip to Hawaii that kind of got me back behind the microphone, because I had two songs that were on some of my early recordings, and a label from Hawaii had contacted me and said, we'd love to license these two songs from you, because they're big hits, or radio hits in that sense, in Hawaii. And I licensed two songs to this label, Neos Records in Hawaii. And they invited me over to do some production work with an artist called Fiji and an artist called Justin Young. So I went to Hawaii and done some production, done a couple of collaborations. Yeah, wonderful. And I thought, boy, it's time to get back, you know, get active behind the microphone. So came back to the UK, inspired and vibed, getting back behind the full music. Full of vibes. Yeah, full of vibes, exactly. And started working, started recording. I approached Trojan to do this on Bond Street, or a concept of working on original rhythm tracks. And they were like, no one's touching our stuff. So cool, no problem. And then Chris Peckin sent me a rhythm. It was the My Girl rhythm, but it was a do-over rhythm, and I didn't like it. And I was in a conversation with his brother, and I said, boy, you can't beat original Treasure Isle, you know. It's nice to relick rhythms, but if they had the original rhythms, it'd be better. And he said that they could work with Treasure Isle. So I went back into my studio, went through my Treasure Isle catalogue, went to Birmingham to see my brother, who's a collector. Like a kid in the candy shop. The real thing. And I'll give you a joke, because when I started working at UB40 studio, I used to come to London. My wife was living in London, and I used to come down at weekends, and I'd go around the record stores and the record fairs. And at that time, a lot of Treasure Isle was being released on CD from a label here in France, I believe. And at that time, people didn't really want CDs. It was the transition from vinyl to CD. Enough people, oh, I'm going to want a CD. But I used to collect everything and loads of Treasure Isle. So I was collecting all my old and stuff that was on vinyl. My dad might have had it on vinyl, but I started collecting on CD.
So Treasure Hour was like second nature. Mm. And it's funny because I produced, I mixed, I voiced the album. And one of the people that played a big role in the album was my oldest brother, who's a major collector. Yeah. And when I played him like the first four or five songs from the LP, he was saying, yeah, it sounds bad, but don't make the album too connoisseur, because I was working on some of the rare rhythms that are on the album, the Wrangling on Bond Street and stuff like that. So now I mix it and blend it, put some more commercial. And I went back thinking, yeah, that's true. And then I discovered rhythms like Moonlight Lover, put that together, Rocksteady, Alton Ellis, and a song called, I can't remember the title, but the Folk Brothers. And these are the ones, and Queen Majesty was another rhythm, a popular rhythm. So it kind of balanced out the whole thing. So done my thing, put Walk Away out on the street, and it blew up. Yeah, but against all odds. That's the story of music, to make something new with something old. Something new. This is a full circle. A cycle. Nothing's new under the moon or the sun. Everything has been done, so it's just how you present it. But I think that works for me, that the old school, new school thing works for me. Yeah. You know, you bring something from the old school and bring it up to date. And I still think it's a part of the formula for what I do. And it works for me. I don't think it would work for many artists, because everyone wants to be the cutting edge. And this suit is for you, and that's cool. It's funny, because I had an interview last week, and it was a phrase that came to mind, where the rhythms that Sly and Robbie build for me are really tailor-made. So you don't really see my voice on the juggling rhythms and stuff like that. So it works for me. Like I say, it wouldn't maybe not work for every artist, but it works for me in the way I do things, to tailor-make the rhythms. And you know, the work ethic, where sending Robbie Shakespeare a vocal and a drum beat, the whole song takes another life, because the bass line is specifically made for the song that I've written. And it works. I give thanks. You say Sly and Robbie. You know what? Yes. We're going to listen to some music. Yes, wicked. From after this long intro. This album. Yeah, because... So much thing to say. I know the man. And right after, I know E.T. We're going to move forward. Yeah, forward. That's what we have to move, man. Forward ever. Le nouvel album de B.T. McLean avec Sly and Robbie. C'est sorti depuis le 15 avril sur le label Tabou One, qu'on ne présente plus. Il y a un gros label en France depuis des années qui fait un gros travail sur le reggae. C'est Tabou One. Monsieur Guillaume Bougard est dans la place aussi. Un gros big up à lui. Merci pour le cadeau. Hein. T'inquiète. Je te ferai un bisou tout à l'heure. On s'écoute tout de suite. Hein, non, c'est entre nous depuis le temps qu'on se connaît. T'inquiète, c'est la famille. On s'écoute un premier extrait. Moi, depuis que j'ai l'album dans mon player, chaque matin, je me réveille avec ce son. Il m'enjoy, un truc de dingue. Let's make up. Premier extrait du nouvel album Forward de B.T. McLean, ce soir dans les studios de Party Time. You and I. So far apart. Each day and night I'm seeking signs. If we'll start to talk. Tell me, what am I to do when we're lost in so world behind the door.
Premier extrait ce soir du nouvel album Forward de BT McLean et Sly & Robbie, sorti le 15 avril sur le label Taboo One. 11 tracks à retrouver, plus un dub. Là, c'était le premier extrait. Il y a différents styles à retrouver. Il y a du rocker, il y a du reggae, il y a du rocksteady, il y a un dancehall, il y a de la soul, il y a de la mélodie, il y a du voilà, il y a de la touche Sly & Robbie. Le repas est complet. Le repas est complet. Le repas est équilibré. Hors d'œuvre, plat de résistance, c'est dessert. De la musique 5 étoiles au programme. Ah ouais, là, c'est du Paul Bocuse, comme on dirait chez nous. C'est ça. So, BT, you know, we were saying that you... It's awful, turn it off, no it's more. It's like five stars cooking. Yeah, you know? Five stars. Master chef. Exactement, exactly. What you say? I love the album title because it's like after, move on. Yeah, forward. It's Guillaume's fault because I'm terrible with album titles. I think even moving on was Guillaume. I think the only album I titled was... It's a producer skill. The Taxi Sessions is the only one I titled. Titles. I give Guillaume all the props for the titles for Forward, Moving On, and let's, so forth. Let's give Guillaume his flowers. Yeah, man, give him his flowers. And it was Guillaume that put the whole thing together with me, Sly & Robbie. I'd worked with Sly & Robbie before in like 1995. Yeah. But after the Bond Street era, that connection was Guillaume's... idea and instrumental in putting the whole thing together. So give thanks, salute, Guillaume. The boss. For me, you know, BT McLean voice and Sly & Robbie music, it's the perfect match. Yeah. It's perfect like an evidence. Alchemia, perfect. It's one of those things that I never thought about it. Even, I don't know, even being on stage with Sly & Robbie was kind of surreal, if that makes sense. It wasn't like, Sly & Robbie, and it's just like, it's an everyday thing. To me, it was like, when Sly and Robbie build a rhythm track for you, or Sly sends me a rhythm, or Robbie does something, it's almost like it just raises the bar for me and puts me under pressure to say, what am I going to write or what am I going to sing on this rhythm? So the pressure's on, but at the same time, I have to think, well, yeah, I'm going to go for it. Mm. And it's always that kind of challenge working with Sly and Robbie. Yeah. As you know, we lost Robbie in 2021. Mm. So rest in peace. We still have to move forward. We still have to represent. And the album Forward is our way of showing respect to Robbie, but also continuing the journey. We've got to continue the journey. Personally, I don't believe in the death of soul, especially with us musicians. True. And there's so much works to listen to, and the amount of times we've spent on stage and in studio. So there's so much good vibes and memories to hold on to that. You know, I'm just glad that, and satisfied, I would say, that the last 15, 16 years was in the hands of Sly & Robbie, you know, if working with them. If you had one memory to choose with Robbie, like the funniest moment you had with Robbie Shakespeare, what would it be? We used to always have fun, especially on the road. Yeah. And when we hit San Diego, there's a particular restaurant we all go to eat. So there's so much time. There's too much memories, man. Outside of music, you know. Yeah, you cannot pick up. There's too much, man. No. Yeah, and with every song or with each day, there's something that comes to mind in that sense. So I couldn't really sum up Robbie with one memory. I mean, there's things that, for instance, when On Bond Street was released and there's a lot of hype, BT bad and whatever, and I remember sitting down with Robbie having a conversation. He was like, boy, BT, you know, things are going for you and people are talking about you and hyping you up, but nothing has started yet. Mm. And it was true. Yeah. You know, nothing had started at that point. If I rewind to 2004, to where I am now as a singer and a songwriter and as a performer, nothing had started at that stage of 2004. And I give thanks to Robbie for being honest and respectful in that sense, you know, because some people wouldn't want to hear the truth. There's that famous line in one of the movies, the truth, you can't handle the truth. And it's true sometimes when you're working with good people, they are going to tell you the truth. They're not just going to lead you up the wrong road, so to speak. So I give thanks to the generals, man, Sly Dunbar and Robbie Shakespeare. Let's give thanks for the generals, the two of them. Yes. Two of them. The album is great. Thank you. And there's a couple of tunes, like... Each one? Really great songs. Thank you. What's your definition of a great song? Oh, don't. Of a good song? A good song is like winning the lotto.
And if we all had the winning numbers, we'd all be playing every week, winning the lotto. A good song is really down to The image. Connecting with people. Yeah. Once a song connects with someone, it's a hit. To me, it's a hit. Yeah. It's not a chart position, or it's not even about sales. It's about connecting with someone. Once a song becomes part of someone's soundtrack, 10, 20 years down the line, they'll still go back to a song and it still means something to them. So that's really what I define a good song or even a hit in that sense. Mm-hmm. I think I'm a bit too old to be chasing chart positions. So it's really about connecting. Yeah. And like I say, once it's a song connects with someone. Like a story, even me, I can relate to. It becomes personal to that person. And you make an album of 10, 12 songs. There may be one or two or three songs, or maybe the whole complete album might connect with a person. There might be one song that, oh, I love that song for what reason, who knows. It's part of their personal journey. So that's, to me, is what a song is, a great song is. To me, you know, it's not chart position. It's from the heart. It's from the heart. Yeah. And it connects. It connects. Mm-hmm. So that's really where it's at for me. About good songs, for example, the tune One Nation. I love it because in the form I speak about, you know, the melody. Yes. It remembers me like some old 80s Michael Jackson tunes. Wow. Yeah, that's a real compliment. And at the same time, the story, that, because it's a beautiful tribute to your originate island, Jamaica. Yes, yeah, and having hope, you know, because as Jamaica, I think it's part of Jamaican trait to be strong, resilient, and it all goes back to my upbringing. My parents were hardworking and resilient, and morals and principle. Mm. And it doesn't matter what the world throws at you, you still stand up and face the next day. Mm. So, One Nation is really means that to me. You know, having faith, like the song says, if faith is how a mountain can move, I believe it's something we can do. And it's obviously about Jamaica and One Nation, but I think it can relate to many places in the world. Of course. Where there's poverty and there's crime and, you know, children and women are being murdered and stuff like that. It's something that you can't brush under the carpet. Yeah. It's things that have to be dealt with in some way or fashion. Society needs to look at itself and make changes. So, speaking of Jamaica, there's hope. But we need to make a change, a personal change, and it starts with the individual. It's a positive way. Optimistic. Optimism, thank you. Let's face this challenge. But we have to do it together. It's like I say, it's down to the individual. There's a song that I wrote on the last album, Love Restart, which is The War Is Over. Mm. And it wasn't a song to say all countries put their arms down. It's really a mental thing that it starts with the individual. If you don't believe in war, you're going to change your mind and say, let's find a peaceful solution, you know. But then on the other side of the coin, war will never end because there's always going to be jealousy, mistrust, grudge, greed. Yeah. But like I say, it starts with the individual. You know, you have to have that mindset. Like you said, you were speaking about war in the last album. Yeah. And on this one, the track Far As Eyes Can See. The war will never cease. Yeah. Because it's not just country fighting country, it's brother fighting brother, sister fighting sister, mother against daughter, father against son. Mm-hmm. So like I say, it begins with the individual. You have to have a different, totally change of state of mind to make a difference in the world or to be a positive force in the world. It doesn't matter how small or how big. That's why, you know, the two first tune on the album, I'm talking about these two, because I'm fed up sometimes when it comes about your music of people saying, Betty McLean, the lover singer. You're way more than this. No. Thank you. Say that again. Say that louder. Say that louder. Can we put that on repeat? But I tell you what, it shows growth. And again, some people would love to put you in a box and say, that's what you are. Yeah. You're a lover's rock singer. You are like this, you stay like this. You stay like this. No, to put a box in another box. But I always say, I'm not a lover's rock singer. Yeah. I never sang lover's rock as a child. We were singing rubber dub, dancehall music. We never played on no sound every kind system. Of time. A lover's rock rhythm and flipped the B side and sang. It was rubber dub.
So it's right back to the origins of Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, Sly and Lloyd Parks, or whoever the musicians were. It was rub-a-dub where was my schooling in that sense. And just because you sing a love song doesn't mean you're a lover's rock singer. That's just... Exactly. It's just... I don't know. I don't know how to put that into words. But growth is where I'm at. And Sly and Robbie really stretched the barriers in that sense, you know, and gave me rhythms where it would have been impossible to write a love song on certain rhythms. You have to kind of expand and think. And the schooling of the music, the 70s was really the roots period in Jamaican music, so it was impossible to escape artists like Justin Hines and the Dominoes, of course. Yeah. Culture, Burning Spear, mm-hmm. you know, the list goes on of cultural righteous music. So, yeah. And that was the era that I was born and raised in. So I give thanks to my peers and my dad for playing those type of music. It wasn't every Jamaican household where even reggae music could be played. Mm-hmm. Many households, the only music that could be played is gospel. Jim Reeves or whatever. So yeah, Jim Reeves. To be born in a household where we could be listening to Daddy Uroy, Big Youth, the list goes on. I give thanks for that. That's a blessing. And thank you. That's exactly what it is. And my inspiration is what you take in is what comes out in the music. So if I was a lover's rock singer, all I would be singing about is love, 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 girl, 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 whatever. But no. As you can hear, that's not all. Because your most popular tune, Walk Away From Love, is a lover's. Yes and no. Yeah, no. You got a couple of brilliant love tunes. Yeah, yes. Yeah, there's from a the couple. Beginning. But from the beginning, it was Fats Domino, it was Here I Stand, Skia, mm-hmm. Dedicated. But yeah, I do love writing love songs, but it's not the only thing that I do. And no, again, you can do anything. I think the world we live in today, there's certain topics that you have to touch on. And it might knock someone's nose out a joint, it might touch someone's nerve, but it has to be said. Certain lyrics have to be put out there, because it's easy enough to say, go and take up a gun and shoot someone, or to call someone a bitch or a hoe. But when you start singing reality, it's an offense. But the truth is an offense, but it's not a sin. Mm-hmm. So we have to sing the truth, you know, and I don't believe it goes. It's back to spirituality. If you've got a voice and you believe in the Most High, you're going to do what's true to you. And I believe there's certain things I have to sing about. I don't even know where the words come from, because I don't write songs. I don't sit down with a pen and paper and write. I hear a rhythm and I sing, and I go to tape straight away and record. Yeah, it's natural. What I feel. You let the music wash away. This is it's in your blood. That's it. Your vein. Yeah, it's like this. Don't be sorry. The inspiration is from the great Sly Dunbar and Robbie Shakespeare. I just hear and feel the energies coming through the music, and it comes out. That's all I can say. I love the full track, the best part. Oh, because I was like, that's not him. It's the original Bam Bam part. Wait. We have to play it for the first place. No rush. We'll come again. On s'écoute tout de suite un deuxième extrait. Bien sûr. On va s'écouter un deuxième extrait que vous pouvez également retrouver en dub en 12e track de ce nouvel album Forward, sorti depuis le 15 avril dernier, dans tous les formats disponibles, sur tous les réseaux disponibles. Et on parlera aussi d'un petit extra aussi qu'il y a eu par rapport au morceau Walk Away From Love dont nous a parlé Guillaume aussi. On en parlera dans une petite parenthèse. Mais voilà, en tout cas, ce nouvel album Forward est à retrouver d'urgence. Pardon, si vous aimez B.T. McLean comme moi, j'aime B.T. McLean depuis des années, et ben c'est à retrouver depuis le 15 avril. On s'écoute tout de suite Where Is Your Love, deuxième extrait ce soir de l'album Forward, B.T. McLean Inside E.T. McLean, sorry, Inside the Building Tonight. E.T.
bien connecté, www.partytime, et sur tous les réseaux, Facebook, YouTube, Twitch, Baco Station, bref, les incontournables sur les réseaux, les emmerdeurs depuis 25 ans, c'est nous, c'est Partytime, et ce soir, eh ben, on emmerde tout le monde avec un artiste, eh ben ouais, parce qu'on a l'honneur et le privilège d'avoir un artiste qui n'est pas facile à recevoir en interview pour les autres médias, et nous, ce soir, on est honoré et enchanté de l'avoir, monsieur B.T. McLean, avec ce nouvel album Forward. On vient de s'écouter le morceau Where Is Your Love, yeah, avec le dub en cadeau, en 12e track à retrouver sur cet album. Voilà, que du plaisir. On continue l'interview, dernière partie, on va continuer à parler des morceaux. Et on a aussi une petite question sur un beau projet qui arrive, enfin ouais, qui est déjà disponible. Ouais, on va en parler. Je te laisse. I was talking about the best part. The best part, yes. I was like, that's not him. It's the original bam bam pattern. Yes, it's like, yeah, Sly opened the MPC. Yeah, that's the original tapes from the bam bam session. Yeah. So, okay. So the multi-track, and it's Shakadimus and Pliers on the rhythm. Yeah. So it's the real rhythm, yes. But the best part is really the best part, and oh gosh, my mind's gone. 72. Let's make up and the bit. Sorry, boys. Ouch. C'est pas bien. Laisse les invités tranquilles. Sorry, boys. Yeah, when you get to my age, you have to think a little bit hard, and you have to take time with us when you get to my age. The best part, and let's make up, are really two remixes, because the original rhythm were really rubber dub. Mm. So the best part was as the day turns to, and I thought, it sounds nice, it's nice rubber dub, but something else, man. So flip the bam bam rhythm, and it was just like, this is it, man. Yeah. And then it turns to, yeah, right. And then with the best Let's Make Up again, it was one drop. You sing the first line, it's your favorite song. Let's Make Up, how does it start? What's the first line? Don't condemn me. You and I yeah, are so far apart. I thought, nah, wicked, but no. And just flipped it into a Flyers. Different twist to it. So these are things that we can do in the studio. And just because you record a song, it doesn't mean that everything's written in stone. Mm. And that's a great thing about the technology these days. We can flip and arrange and do things slightly mm-hmm. different. Once you've got the vocal melody and the lyrics, we can do anything with it, man. That's great, because as a creative, we got new toys. Yeah, let's play. Yeah, this is it. And it's play music. Within an LP project, it's like contrasts, and you don't want the album just to be like, you know, flatline. Not flatline. So it's nice to have... A good album is a journey. That's right. Exactly. Thank you. So different contrasts within the album. But I've had quite a few people say, the best part, BT singing dancehall. No. It's impossible. But no, it's true. I'm not a dancehall artist, but... And what a tune. It's a rhythm that can't dead, you know, the bam bam, you know, and to put a song, a sweet song or, you know, a love song on it was... Hey, it's pure R&B on dancehall music. Yeah, wicked, you know? Wicked. Yeah. Brilliant. I say, you know. Of course, you know. In one word, I'll tell BT when I get back to London. I did a great interview with Party Time. He'll be there sitting, because he's very big. He eats donuts all day and drinks beer. Where's my money? Oh, there you are, BT. Yeah. About Pattern, the track Beauty You Are, is it the original Dennis Brown Pattern, the Sitting and Watching? No. It's on the drums? It's actually a Rocksteady song called... Little Things by Helmsley Morris. But the drums. No, that's a new pattern played. Yeah, similar. I know what you mean. Yeah, Sly and the syndrome. No, it's a new rhythm that was built. Okay. But the rhythm's built around the Helmsley Morris. You have an Alpheus on it. Yeah. Sorry. On the same rhythm, Alpheus. Yes, there's a few people. Yes, the same rhythm. And there's Matic Horns from with Roberto Sanchez. Done a horn version on it as well. So it's a rhythm that's quite popularly been licked a few times. Mm. Yeah, but bad rhythm, man. It was actually Robbie's idea to do that rhythm, and it was funny because it was a song that I forgot. I voiced the rhythm was built, and I voiced it, sent it to Robbie, and one day my phone rang. Mr. Shakespeare. BT, go back and listen to that song, Beauty You Are. Remember on the computer, listen to that song.
that's the song. That's the song. Okay, Wicked Man. So it was a song that was just put on tape and kind of not forgotten, but kind of like put to the in the background. So I give Robbie Shakespeare the props for bringing that one to fruition. Once again. The tune Glass House is Glass brilliant. House. Yeah. The musical side reminds, of course, the Black Uhuru days. But about the chorus, the message, like, don't throw stones if you're living in a glass house. Yeah. So that's what I call a punchline. Yeah, I think, well, Peter Tosh should sing, if you live in a glass house, don't throw stones. Big Peter. There's Jamaican tradition and culture is filled with proverbs, you know. It's full of proverbs, and it's nice to bring back one of the old ones, you know, don't throw stones if you live in a glass house. Because there's so much things that are contradictory in the music. You know, you have an artist that will sing one thing and behind closed doors living a different life. I think, not bashing any artist in particular or anything, but I just think there's a truth in music. And because I come from the old school where it's still spiritual, you know, it's not free for all. So, yeah. It's easy to judge people, and I think that's one of the biggest problems in the world, when people want to judge people. Especially right now, Nobody should judge no one. Judgmental. Judge yourself before you judge nobody. You know, it's written there. So that's what I mean by the contradiction within the music and in with the lifestyle, because we're quick to relate to the Bible and things like that, but how many people are really living to the word and to the book, if that makes sense? So... judgment, don't judge nobody. You judge yourself before you judge no one else. So it's really about people being contradictory in that sense. Yeah, nobody should judge anyone in that sense. Mankind is contradictory, but that's still interesting to think about it. Yeah. Definitely. Like I say, I love this album. It's an other classic in your career. Let's talk about two people, because we Party Time, we are, you know, fans of reggae, but we French too. And in your journey, there's two guys from France that we got to big up. No, just one. Just one. To Guillaume. And to his Guillaume. Name is Guillaume. Snap. Let's say a word for Guillaume Bougard and Stepper. Guillaume Bougard and Stepper. What can I say about them? Next question. Too much fives. That's ridiculous, because I'm saying Guillaume Bougard with a fake English accent, and he's French like me, Guillaume Bougard. No, like I said before, Guillaume is the person that was instrumental in putting the whole thing together, me working with Sly and Robbie, going to Jamaica, and the journey over the past 15, 16 years. And again, it goes beyond the music, if that makes sense. It's not just about being in a studio or going through contracts or anything like that. There's a respect, a mutual respect. Stepper, I've known since working with Sly and Robbie. And that's about it. I don't want to say not more about him. Stepper. He's a dangerous man. Stepper's my right hand man. There's no way in the world I go nowadays on the road or studio at work where I say, Stepper, find a line. Give me a line on this one. And I can just see him in Paris shaking his head. Oh, no. When he sees his phone and he sees Bitty, he says, oh, I'm not in. He's telling his wife, tell him I'm not here. So, but no, Stepper's my right hand man. And we travel the world and we play music. Just come back from Japan early in the year. And it's just good vibes. Yeah. And the best vibes are with people where it's not just about the music, you know, you can just enjoy life, you know, laugh sometimes, you know, it's not about this serious, you know. He has definitely a strange sense of humor. Yeah, we know that. He tells the worst jokes as well. But no, I give thanks for everyone that's part of the journey. It's not a one-man show. Bitty McLean is not a one-man show. No man is an island. No. I mean, No man is an island. That's right. I mean, when I first started in my career, I was on my own in the days of It Keeps Raining, doing my little programming and doing my thing. But like I say, the Sly and Robbie chapter is the greatest, you know. Work with some great people and have fun with what we're doing. Yeah. You know, and fingers crossed, like I say, the music connects. Somewhere with people that connects. That's the ambition. About music, who connects? Which connects? What's this new connection with the NFT thing?
you bring yeah. on the table with Tell some words about I it. Don't know anything about NFT. All I do is make music, and Guillaume says, I'm going to use this for an NFT. And I think, what's an NFT? What the hell is an NFT? So Guillaume is the person who can explain that. There's a mix of Walk Away, a rubber dub version, which was recorded and was on tape. It has been sitting there for a little while, and it's been brought back up to date. We had Robbie Lynn play some keyboards and stuff. And I must give a big shout out to Robbie Lynn, who played on most of the tracks on the Forward album. Is an integral part of the team. But Walk Away, it's an NFT release, I believe. Guillaume, help me here. I think there's only 100 copies that is going to be available. It's a lathe cut, so it's like, imagine like a quality dub plate, a one-off cut, but there's 100 copies. And that's about all I know. All I do is music. Guillaume can do with the business. Guillaume, where are you? Help. He's here. No, but we say the word, a little word on it, and people will be interested and will search. Yeah, we'll search, yes. Do search, because there's only 100 copies, and you'll get your own personalized artwork with each copy. And it's out there. Just search Guillaume Bogard, Table One. Bah, je peux expliquer en français pour que tout le monde comprenne plus facilement. I'm going to translate. Il y a un projet NFT pour ceux qui s'y connaissent sur le milieu des trucs non fongibles, des œuvres d'art non fongibles. Voilà, il y a eu une réorchestration du morceau Walk Away From Love avec Sly and Robbie en version rub-a-dub qui sort exclusivement en NFT. Voilà, que vous pouvez retrouver sur Table One Records. Vous allez sur le site et il y a une rubrique justement où vous pouvez acquérir. Bien sûr, ça a un prix, ça a une valeur, c'est quelque chose qui va se garer sur la durée, qui va peut-être vous rapporter aussi de l'argent. Mais en tout cas, voilà, cette œuvre, elle est exclusive et vous pouvez la retrouver donc sur le site Table One. Et c'est un morceau, un remix, une nouvelle version du Walk Away From Love avec Sly and Robbie en version rub-a-dub. Et vous pourrez la trouver nulle part ailleurs. Moi, j'ai eu un cadeau en vinyle, mais ça, c'est que moi. Vous allez sur le site. Eh ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? On diffusera le numéro de Guillaume Bogard à l'antenne pour que tous les gens l'appellent pour en savoir un peu plus. Voilà, en tout cas, vous allez sur Table One Records sur Internet et vous trouverez bien sûr le moyen d'acquérir ce chef-d'œuvre parce que je ne l'ai pas encore écouté. Il est très rare à obtenir. C'est ça. Et je pense que ça va être un beau cadeau à offrir ou à acquérir pour soi-même. De la bonne musique, mais sur un autre support. Donc voilà, se servir des nouveaux formats numériques et de l'exclusivité, de la rareté d'un morceau. Et voilà, vous pouvez retrouver donc en format NFT un nouveau cadeau de monsieur BT McLean, Sly and Robbie et le label Table One. BT, excellent. If I don't stop the interview, the boss gonna fire me. Yeah. And I'm really sad about it because it was a real pleasure to discuss enough with respect. You. I'm sure we'll do it again sometime as well. Yeah. Maybe we can continue as the journey goes on. I have one last question. Yes, sir. Why don't you accept to record some dub plates to the sound system? Maybe two or three sounds in the world have a dub plate. Stargav, get one. Stargav, yeah, Sol Stereo. Roy. No, 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 not Sol Stereo no, yet. Oh, no. Sorry for them. Shit. But they wish. Downbeat. Popo Radigan, Rory Stone, Love. Yes. I've done a few. Jarro. But you know, the thing is, I made a conscious decision to just concentrate on my music. And if I'm doing dub plates, if I took on every request for a dub plate, I wouldn't be able to write one song in the past 10 years. Every day is a dub plate request. Mm. That's the reality of it. Every day there's a dub plate request. And I don't think the way sound system is going, it's not important for every sound to play the same thing, to have the same Bitty McLean dub plate. I don't think that would work for me. It might work for other artists to voice one dub plate 1,000 times for different sound system, but for me, I don't think that would do anything. I've spent the past 10-15 years working on my career and being a better songwriter, a better performer, and a better singer. And I think that's worked in 2023 at the age of 51 to still be hitting my notes and writing songs which I believe in and work with a great team. That's more important at this stage. Maybe when I retire in the next 2 years, I might do some dub plates. But right now, maybe the main focus and the mission is in the music and getting good music, because it's like there's a drought. If you were to name 10 singers, I mean, I can't think of 10 singers today at the forefront of this music. 10 singers, young singers as well. You know, the whole shift is really in
Sing J or DJ. So singing, it's important to have our singers out there. We're losing artists and musicians every year, so we have to keep the thing going musically. It's not about hype and singing money, a dub plate 1,000 times and running down vanity. That's not where it's at. Maybe, well, like I say, when I retire, I might do some, but it's not my main mission and focus to just do dub plates. Okay, thanks. And it seems right when you say it, and the world needs some good songs. And if you're looking for dub plate, you know, E.T. McLean is available. E.T. Not B.T. E.T. can do it. The same price. He sounds similar. He's not quite in the league of BT. But he'll get there. With practice, he'll get there. But I say that seriously. The fact that every sound wants to play the same thing. I mean, it's going back to the old school thing of when a sound system had its own identity. And I think that's been lost in the past 10, 15 years of sound systems. 90% of the sounds sound the same. You wouldn't know who's who because everyone plays the same thing. If they hear Rodigan play something, they go and cut the same thing Rodigan plays. If the next sound, they go and cut the same. So, and it's not really something I want to get into. Yeah. I don't want to get into the whole McDonald's, if that's the right word. Of music. Yeah, yeah, it's about be original and relevant. You're close of Rodigan? Sorry? It's your friend? Yeah. More than friend? Yeah, we're good brethren. Yeah. That's why. Yeah. And if one day Party Time want to play an exclusive, a special from B.T. McLean, I can call you? Stepper's got a good voice. Okay. I'm going to deal it with him. I'm going to deal it. I call you soon. But that's a fact. Stepper got a good voice. Yeah, man. Security, close the door. We call Stepper the Five Tops because he does everything. He does sax, he does percussion, he does harmonies. He does everything. We call him the Five Tops. Many things. He can do it. He got a hat because he's a magician. No, Stepper's cool, man. But like I say, when the focus is off the music, then yeah, maybe I might voice a few dub plates. But the focus is really on the music and getting good music. And we're still moving forward. Still moving forward because that's what we need. We need good music that will live, not music that is played for a month or 2 months and then it's disposable. You know, music that can quality live. First. Ever. Yeah. BT, thank you. Thank you so much, man. No respect. It's man. Really no a respect. Pleasure. Thank you. Respect. On pourrait continuer l'interview pendant des heures, mais on malheureusement... Frérot, on va se faire virer. On a d'autres... le patron nous montre... il nous fait ça, le patron, là-bas. Et puis, on a d'autres invités à recevoir. Mais voilà, c'est un réel plaisir, c'est un honneur. C'est un artiste qui se fait très rare sur les plateaux d'interview. Donc, profitez-en, comme nous, on en profite ce soir. C'est vraiment un plaisir. Et je sais que hors caméra, on va continuer à se taper un bon moment encore avec les deux Guillaume et Monsieur B.T. McLean. Monsieur Guillaume Stepper, qu'on va retrouver dans quelques secondes pour le live. On s'écoute tout de suite le morceau dont on parlait sur le Bam Bam Redeem, très 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 cher à Robbie et Sly. Le best part, troisième et dernier extrait ce soir en écoute de cet album Forward, disponible depuis le mois dernier sur le label Taboo One. N'oubliez pas l'histoire du NFT aussi, très important. Nouvel album Forward, Monsieur B.T. McLean dans les studios de Party Time. On s'écoute tout de suite le troisième et dernier extrait de Best Part. Oh.
Voilà, c'était le morceau The Best Part à retrouver d'urgence depuis le 15 avril sur cet album Forward en combinaison avec Sly and Robbie, Rest in Peace Robbie, à retrouver donc sur cet album Forward depuis le 15 avril sur le label Taboua. N'oubliez pas l'histoire aussi du NFT pour le morceau Walk Away From Love en Robadub version. Tout de suite, c'est l'heure que tout le monde attend dans les studios et chez vous, l'heure du live avec BT McLean Inside the Building dans Party Time. Ready? Rhythm roll, rhythm roll. Holy pa dem sell dem soul. Oh, you know, oh. Don't throw stones. Ah, oh, if you live up in a glass house, oh, in a you glass house, ah, oh. Don't throw stones. Oh, if you live up in a glass house, up in a new glass house, there is no excuse to use another just to refuse your blessings you lose. Kaja no partial, only few him choose, cause every heart and chest do a cleansiness. Don't you fail a test, life can't start again. Are you east or west? Are you east or west? Are you east or west? Don't throw stones. Don't you throw now. Nah, if you live up in a glass house, in a new glass house, don't throw stones. If you live up in a glass house, up in a new glass house, there is no excuse. Today you love, tomorrow you rebuke, but it's there for all to view. At cornerstone, the one that you refuse. So when you disrespect, shows no intellect, prove you fail the test, can't start over again. Are you east or west? Are you east or west? Are you east or west? Don't throw stones. Don't you throw now. If you live up in a glass house, up in a new glass house. Women say, I see that bleed from the top until the very last drop. Original something. Right. Original something. A Sly and Robbie something. There is no excuse, no, to use another just to refuse your blessings you lose. Channel partial, ready I'm a Gideon. Every heart and chest pure cleanliness. Don't you fail a test, life can't start again. Are you east or west? Are you east or west? Don't throw stones. Don't you throw. If you live up in a glass house, up in a new glass house, don't throw stones. Don't you throw now. If you live up in a glass house, up in a new glass house, rhythm roll. Ah, the holy part them sell them souls. Oh boy. Le morceau Glass House a retrouvé d'urgence sur ce nouvel album Forward. En deuxième track, on a l'habitude de faire ça avec tous les artistes et je vois, on va pas déroger à la règle ce soir. BT, you know the name of the show, it's party, party time. Ready so for the party time? You're working me too hard today, you know. Yeah. Easy. Old man 1972, you know when you have to like scroll me back in your phone years 1972, long time. Oldies but goodies. Lego de Tio. From the top to the very last drop. Bitty man cleaning at the party time. Oh Lord, oh Lord. Be
been so long since we've celebrated life. What a cool we come again. Original beat in my clean the building. From the top until the very last drop. Original Sunday. Been so long since we've celebrated life. Oh, so long. Days are gone. I'm still holding on. I'm still holding on. Gotta find the time, make things right so love won't die. Can we go back to start? Love restart. Gotta find the time, make things right so love survive. As long as there is love, won't you just take my heart, take my heart, take my heart. Love is all I have. You can have it all. Take my heart, take my heart, take my heart. All and nothing less. You can have it all. Oh, who works so hard? There's never time to talk about what's going on. We're far apart. And it leaves me kinda lost in my thoughts. Gotta find the time, make things right so love won't die. Can we go back to start? Love restart. Gotta find the time, make things right so love survive. As long as there is love, won't you just take my heart, take my heart, take my heart. All and nothing less. You can have it all. Take my love, take my love, take my love. All and nothing less. Oh boy, because I bleed from the top to the very last drop. Original style, it just can't flop. Original someday, party time someday. I see that plate from the top to the very last drop. Original stock, original someday. Oh gosh, selecta, take it, take it down low. Take it, take it down low. Take my heart, take my heart, take my heart. I can die, I can die. Since this moment, I can die everywhere. I just got to say this. On the Party Time Rhythm, in Party Time Show, this is the best performance ever. Make some noise for P.T. McLean. Oh là 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 là, je peux mourir demain là. C'est comme disait Thierry Roland pour la Coupe du Monde. Moi c'est pareil là. B.T. il a fait un morceau sur le Party Time. Je suis refait. Je suis désolé, l'équipe voulait pas que je le dise, mais je suis comme un acarien au salon de la literie. Je suis trop bien, je suis trop content. Mais c'est pas fini parce que Monsieur Stepper, Guillaume Stepper, on en a parlé tout à l'heure dans l'interview, célèbre saxophoniste qui a rejoint la team Sly & Robbie dans le groupe Taxi et qui fait plein de dates, qui accompagne plein d'artistes internationaux. Il nous fait l'honneur aussi d'être là dans les studios pour accompagner B.T. le temps qu'il s'installe. On est toujours en live, on est toujours ensemble. Voilà, il passe devant la caméra, mais c'est les conditions du direct, vous inquiétez pas. Il est armé d'une guitare ce soir et pas d'un saxophone. Ça nous fait plaisir et un honneur aussi de le recevoir, monsieur Guillaume Stepper. Voilà, la légende, hein. On est fiers d'avoir un Frenchie qui bouge tout autour de la planète comme ça avec tous les musiciens. Il est là ce soir avec monsieur B.T. McLean, le temps de régler la guitare. Et franchement, si sur l'acoustique qui vient,
Il y a deux, trois notes qui peuvent introduire le Walk Away From Love. Je pense que tout le monde, derrière sa caméra, derrière son ordinateur, derrière sa télé, derrière sa radio, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Ça serait un beau cadeau. En attendant, on va retrouver un nouveau titre de cet album. Voilà, je brode, hein. Voilà, je vais faire bientôt des pulls et des écharpes pour l'hiver. Tellement je brode. Mais on est en direct. Ready? Ready? As I can see, under your moon and sun, the war will never cease until thy kingdom come. Oh God, did you hear the news? Oh Lord, how they sacrifice the youths. What they speak is what they do. Oh Lord, while seeing blind is what they choose. Lord, as far as I can see, under your moon and sun, oh Lord, we will never be free until thy kingdom comes. Why are you so confused? Not every day we sing the blues. Evil what they choose, while righteousness refused. Oh Lord, as far as I can see, under your moon and sun, we will never be free until we all know love. We know love as far as I can see, far as I can see, far as I can see. Lord, love as far as I can see, far as I can see, far as I can see. As far I can see, à retrouver sur cet album Forward, voilà, en version acoustique live, BT au Melodica. Good job. E.T. Franchement, est-ce qu'il y a moyen de se faire ne serait-ce que le premier couplet de Walk Away From Love? Just the first verse of Walk Away From Love. Yeah. It's not... Yeah. Yeah. Not the first word. The first verse. It's possible. It's from my present. You know the chords. Go on, man. Please. Da 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 da. Oh Lord, I can't sit down and sing. It's not that I don't love you. I tell ya, you know how much I do, oh. And it's not that I found somebody
take the place of you. But it's just a fear within me. When you touch my hand, and a fear that shakes my body, I don't understand, so I'm leaving. Yes, I am. This time I'm playing it smart. I'm gonna walk from love. I'm gonna walk from love. I'm gonna walk away from love. Oh, before love breaks my heart. Oh gosh, I went missing mix. I said I played from the top until the very last. I love you, really. Vous savez même pas comment je suis heureux. Comment je suis heureux. J'espère que c'est pareil chez vous. Je suis dingue. BT Matling, voilà, qui nous donne, qui nous fait ce cadeau, qui nous fait l'honneur d'être là pour parler de ce nouvel album Forward. Je vous raconte même pas l'ambiance dans les studios, mais on en est comme des gosses. Merci. Thanks a lot. Huge thanks. Lot of thanks. The biggest thanks. I don't have the right words. BT Matling. Enough respect. You're welcome. Thank you. When you want. The next year, the next album, the next project, the next song. That's what we want, man. Good music. You will be there. Thank you. Voilà, là. Nous, on va continuer l'émission, voilà, comme des enfants, comme des dingues. Il y a plein de choses encore à venir dans Party Time. C'était monsieur BT Matling qui est venu nous parler de cet album. Voilà, encore un chef-d'œuvre, une référence. L'album Forward, il est disponible depuis le 15 avril sur le label Taboo One. N'oubliez pas aussi l'histoire de la NFT avec le morceau Walk Away From Love qu'on vient de s'écouter en acoustique. J'arrive pas à redescendre. Voilà, en tout cas, on continue l'émission. BT Matling, nouvel album Forward à se procurer d'urgence. C'est vital, comme la carte. On continue l'émission dans Party Time. Mets-toi bien, mets-toi cool.
see a million, million starlights calling me, calling me, calling me home to ecstasy. And in my heart I can feel a thundering, a panting, a chanting, like a rubber bum bum, like the sound of a drum, like a ton of bricks on my head. And in my mind I can feel you touching me, rushing me, holding me, squeezing me, teasing me, pleasing me, rushing me, touching me, holding me, squeezing me, teasing me, pleasing me. And she said, carry me, oh, partie d'émission et pas des moindres, un invité de marque aussi dont on suit la carrière et l'évolution des projets au fur et à mesure des années, au fil des années, monsieur Brain Damage qui vient nous présenter un nouveau projet avec, oui monsieur Brain Damage, c'est toi, le groupe à toi tout seul, qui vient nous présenter le nouveau projet qui s'appelle Dreaming from an Iron Gate. Oh là là, faut que je fasse des cours de, comment ça s'appelle, Harold's, c'est quoi la méthode d'anglais? Je connais Bref, pas. Je non, prendrai va, des je cours d'anglais, mais t'inquiète, on va y arriver. À un moment, au bout de 25 ans d'émission, je vais arriver à parler anglais ça proprement. Trouve, même sur le nom de la technique, t'as bégayé. Oh, laisse tomber. C'est un cauchemar. J'en peux plus de moi. Je me supporte plus. Mais non, c'est Dreaming, pour ça qu'on te kiffe. Frankie, Dreaming from an Iron Gate, le nouveau projet en collaboration avec Harrison Stafford et toute son équipe de Ground Nation. Bienvenue, re-bienvenue, parce que c'est pas la première fois qu'on te reçoit, je crois. Eh ben si, figure-toi. Si, c'est la première fois. Party time. Alzheimer, Parkinson, tout, j'ai la totale, j'ai pris le pack. Je croyais qu'on t'avait déjà reçu, je sais qu'on s'est déjà croisé. Moult fois, là moult c'est un plaisir fois. D'être avec vous, chez vous. Ouais, bah, bienvenue en tout cas. En plus, quand j'y pense, Brain Damage et Party Time, ça commence à peu près dans les mêmes années. Au 20e siècle, mec. Ouais, déjà. À l'époque du Minitel. Avant les deux. Avant les deux. Ouais, c'est 98, 99, tu vois. Ouais, bah c'est ça. C'est 97, Party Time. 97, exactement. Alors, vous êtes mes aînés et je vous dois le respect. Oh, merci. Tu l'as le doigt avant de parler, alors. On te reçoit ce soir pour ce nouveau projet qui sortira le 26 mai. Le 26 mai chez Baco. Chez Baco Records. Eh bah oui, les incontournables. Un petit label. On est chez eux, donc t'inquiète, on connaît bien la maison. Il y a trois singles disponibles déjà. Il y a Forgiveness. Je crois, on peut pas refaire, non. Forgiveness, Deep Areas et Dreaming from an Iron Gate. Le titre éponyme de l'album, il est mort de rire, Jahil. C'est comme une partie de Scrabble vivante. Non, mais moi, c'est un bordel. 69 points à chaque fois, moi, mon compte triple. Tout va bien se passer. Donc, trois singles déjà disponibles en attendant la sortie de l'album dans quelques jours. Ça arrive. Ça arrive très, très vite. On piaffe d'impatience parce qu'on a vachement bossé. Bah, j'imagine.
J'ai croisé Harrison Stafford qui est en train de défendre sa tournée Hebron Gate, justement c'est l'album dont il va être question, puisque là c'est une relecture de cet album. Ouais, c'est ça, pour fêter les 20 ans. Exactement, lui est en train d'en jouer une version avec ses musiciens sous le nom de Groundation. Cet album, donc, il faut préciser qu'il est quand même mythique, je pense qu'il y a encore quelques auditeurs qui connaissent peut-être pas. Ouais, mais c'est une sacrée pièce. Ouais, moi, pour moi, c'est un monument du reggae contemporain, j'allais dire, même si ça a 20 ans. C'est un classique. Ouais. Ça m'avait giflé, c'est même. C'est un classique, exactement. Tu sais, ce type de groove très lent, très... Avec Marcus à l'époque. Exactement, de sacrés musiciens. Stafford en songwriter était juste énorme là-dessus. Ouais. Et voilà, ce feeling jazzy, bien sûr, qu'ils ont apporté au reggae à ce moment-là en Californie. Ouais. C'était quelque chose de nouveau, là, pour moi. Je n'avais pas trop entendu ça. Bien sûr, les Jamaïcains ont mélangé jazz et reggae depuis longtemps. Mais c'est vrai que là, ça a été fait un peu différemment. Et moi, je suis tombé sous le charme. C'est leur touche. Mais t'imagines, toi, si la première fois, quand t'as écouté cet album, que t'as pris ta gifle, ouais, on t'avait dit... qu'un jour tu serais convié à remixer ce bijou. Ce bijou, ouais. Bah, t'aurais éclaté de rire. Oui, voilà, j'aurais rigolé, mais tu sais, si on m'avait dit que j'allais bosser avec Big Youf, Laura Sandy, enfin, ça m'a, ouais. Je veux pas faire de blasé, mais c'est vrai que ça fait. J'en reviens toujours pas, hein. c'est une chance. Et si on t'avait dit un jour tu te retrouveras à Party Time J'y crois toujours pas. Mais si, t'es là. si, t'es là. si. C'est pas ton frère, c'est mais bien c'est, toi. Quoi. C'est vrai que, tu le soulignes comme ça en passant, mais mine de rien, ton CV comporte quelques lignes. Ouais. Alors, t'as prononcé le mot carrière, ça me fait toujours bizarre quand j'entends ça, mais effectivement, au bout de 25 ans, on peut dire ça. Il y a ses 16e album. Tu vas pas attendre 50 ans pour dire qu'il y a carrière. On peut dire ça, ouais. Quelle carrière. T'es un peu le Paul Bocuse du dub en France, quand même. Après, la scène dub française, c'est une des scènes les plus actives et les plus riches. C'est vrai. En Europe. C'est vrai. Et dans cette scène, t'es quand même cité comme un des anciens avec tes comparses du début, évidemment. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé, donc 98-99, dans ces eaux-là, on n'était pas très nombreux, en fait. Hein, et il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose au niveau du dub. Donc là, on va citer Hightone, Improvisators Dub, Zenzile, Cali Live Dub, principalement, et Ma Pomme. C'est vrai qu'on a commencé à peu près au même moment. On ne se connaissait pas, on n'a pas traîné à se rencontrer. 38 Dub Band aussi. Ouais, alors il y a eu d'autres trucs. Hein, je voudrais hybride, oublier personne, mais c'est vrai que c'était quand même, il fallait expliquer aux programmateurs quand on voulait faire des concerts de quoi il s'agissait, hein, ça c'est sûr. Ils comprenaient ? Non. Pas tous. Non, pas tous. Après, ils ont vite compris parce que notamment Hightone a commencé à blinder de partout et c'était un phénomène assez incroyable. Donc là, d'un coup, ils se sont dit ah oui, tiens, ça peut être intéressant quand même. Ils se sont mis à nous écouter. C'est vrai qu'ils nous ont ouvert la voie quand même. Et puis ce qui était très intéressant en plus dans cette scène, c'est que c'était, il y avait un point commun pour la plupart. Qui était de ne pas du tout être de Paris. Tu vois, et c'était C'est vrai. Après, on a eu Lab aussi, quand même, qui était du coin. Ouais. Oui, c'est un mouvement de province, on peut dire ça. On se connaissait pas, et puis on s'est très rapidement rencontrés. On s'est trouvé des atomes crochus très rapidement, travailler ensemble, tourner ensemble, faire des albums ensemble. Ça a été un plaisir. Je parle de ça comme si c'était fini. C'est pas exactement le cas, mais c'est vrai que là, depuis, il s'est passé tellement de choses dont on est fier d'ailleurs. Quand tu regardes un peu dans le rétro, attends, toi, t'as bossé avec Zion Train, avec Alpha and Omega. Ouais, t'as tout de suite au début, là, Disciples, les Tena Staline, t'as fait des lives avec Tena Staline. J'ai pas pu faire de live avec Tena Staline. Non, je suis allé à Londres pour bosser avec lui. Ouais. Pour faire bouger Tena, tu peux y aller. Hein. Ouais. Ouais, non, lui, il... Et même à Londres, vous avez pas réussi à valider l'essai en live et tout. C'était des prises qu'on a fait, les fameux morceaux Genetic Weapon et Spirit World. Là, on est monté en 2001, un truc comme ça, à Londres. Là, c'est pareil, hein, le net, ça marchait, mais pas tant. On n'en était pas à s'échanger des fichiers dans tous les sens et à pas se voir. Et c'était pas le dub en télétravail. Il fallait aller à Londres. De toute façon, moi, j'avais l'habitude de faire ça, ne serait-ce que pour trouver des disques. Hein. Comme plein de gens à l'époque. Non, mais je rappelle ça parce que maintenant on est en 2023 et ça paraît. Ça paraît irréel pour les gosses après, ouais, bien sûr. Ouais, on y allait en bus. Et on ramenait des valises de vinyle. Et puis après Londres, t'avais eu cet épisode à Kingston aussi, là, le Talk the Talk, Walk the Walk. Incroyable. Avec un casting, il y avait Paul Ascendi, il y avait Ras Michael, il y avait Kid Asai, Willie Williams. Willie Williams, s'il te plaît. Et il y avait Winston McAnuff qui traînait par là. Donc, Winston McAnuff. Ma foi. là, j'avoue que j'ai eu la chance. Là, l'histoire, elle est un peu...
Ça s'explique par le fait que Samuel Clayton Jr. s'est installé pour une histoire d'amour dans ma ville, à Saint-Étienne, il y a genre 25 ans. Okay. Sam Clayton Jr., pour info, c'est le fils de Sam Clayton du même nom qui officiait dans Mystic Revelation of Rastafari, qui a remplacé Count aussi. Autant dire que c'était un personnage public. On les a perdus tous les deux depuis, hein, le père et le fils. Ils sont plus là. J'ai vu que, tu sais, le chanteur David Kerol, qui sort en artiste avec la crème des musiciens jamaïcains, là, qui vient de sortir son album, dédicacé son album à Sam Clayton. Ah bah, c'est ce que j'ai fait avec celui de Big Ute aussi, puisque l'histoire. Donc, on est allé une première fois avec Sam parce qu'on s'entendait comme larron en foire. Ouais, ça a matché. Direct. On s'est compris sur plein de sujets et c'est lui qui m'a proposé de venir en Jamaïque. Il m'a dit maintenant ça suffit. Arrête de faire crarer là, voilà, tu viens. Et évidemment, quand un personnage comme ça, avec un tel carnet d'adresses et un tel feeling, te demande d'aller sur l'île, j'étais jamais allé, je m'étais jamais permis parce que j'avais l'impression que je me ferais manger tout cru. Alors, il y allait tout seul. Ah bah avec lui, particulièrement, il m'a ouvert des portes. C'est lui qui a amené tous les elders dont on parle, dont on vient de parler, qui a fait en sorte de rendre les choses possibles. C'est vrai que ça, c'est assez incroyable. Ouais, hein, c'est une chance, hein, c'est sûr. Là-bas, c'est si clair. T'es dans une vibe sincère et que t'apportes des projets de qualité, je veux dire, c'est la musique qui prédomine et l'humain, ils en ont rien à taper du reste. En fait. Ouais, c'est sûr. Après, il vaut mieux là. Vraiment, il y a eu des contacts de par soit lui, soit son père. Immédiatement, ça c'était tout vraiment facilité, quoi. Ah bah carrément. Carrément. On y est retourné une deuxième fois pour bosser avec Big You. Et c'est là que ça s'est mal passé parce que Covid, etc. On est tombé malade. Lui s'en est parmi. Donc c'est là qu'il est parti. Et j'ai tenu quand même à sortir cet album avec Big You, même tout seul. J'ai terminé tout seul. Qui lui est évidemment dédié. Ça a été compliqué. Compliqué. Mais ma foi, il faut continuer sa route. Mais c'est vrai qu'il manque à beaucoup de monde. Et notamment, il manque tout simplement aux relations entre la France et la Jamaïque musicalement parce que s'il m'a amené là-bas, j'étais pas le premier. Il a amené, je dirais, une grosse majorité des reggae men. C'était un des premiers diplomates. Ah, mais carrément. C'était son entre truc. La Jamaïque et exactement. La France. Dresser des ponts. Même l'Europe. Exactement. L'Europe. Parce que mine de rien, il y a un gap culturel. C'est compliqué. Il y a plein de fois où on se comprend pas. On habite loin les uns des autres. Les culturellement, sont c'est. Ouais. Bien sûr. Et lui, c'était le boss pour faire en sorte de rendre les choses possibles, que les gens se comprennent, etc. Au moins l'espace d'un instant. Et que les choses se passent bien, il y a des choses magnifiques. C'est un des pouvoirs de la musique aussi. C'est vrai. C'est de réunir des gens, des personnes qui, sur le papier, n'étaient soi-disant pas vouées à se rencontrer. Quoi. Exactement. C'est la beauté de la musique. Ça transcende tout. On s'écoute un premier extrait de ce projet qui arrive le 26 mai. Ça s'appelle Dreaming from an Iron Gate. J'y suis arrivé. Et le premier extrait ce soir, c'est All I've Seen Today. Premier extrait ce soir, mets-toi bien, mets-toi cool. Brain Damage dans Party Time. Beyond these bombs, beyond these wars, beyond this hypocrisy.
C'était le morceau All I've Seen Today, premier extrait de ce nouvel album Dreaming From an Iron Gate, en collaboration avec le groupe californien Ground Nation, qu'on ne présente plus. Et à nos côtés, toujours Brain Damage, pour nous parler, je vais t'appeler comme ça, hein, je peux t'appeler Gaston, Léon, mais je préfère t'appeler Brain Damage. Brain Damage, ce soir. C'est parfait, ou ça Martin, tout simplement. Martin, oui. Blaze, c'est mon blaze. Mais ça, c'est quand on s'appelle entre temps pour commander chez Uber, donc t'inquiète. On va parler précisément de ce projet-là, parce que c'est quelque chose de beau. T'as vu ? Il faut quelques éclaircissements, parce que là, j'imagine le fan de Ground Nation qui vient d'écouter ce morceau, il comprend pas. Il se dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est de l'IA ? C'est de l'IA ? Alors, le projet est garanti sans IA, normalement. Pas d'intelligence artificielle, c'est que du vrai. Je vais créer un label. Aucun robot n'a été maltraité pendant la séquence. Aucun. Alors là, je pourrais pas dire ça. Aucun processeur n'a cramé. Mais écoute, pour résumer le truc, j'ai travaillé avec Harrison sur un album en 2017 qui s'appelle Liberation Time. C'est ça. Donc là, c'était Brain Damage meets Harrison Stafford. Voilà. Là, c'était un vrai projet commun. Personne, exactement. Album plus tour. Donc, on a passé quelques mois ensemble sur la route. Ça a été un plaisir, particulièrement cool de bosser avec lui. On imagine bien. Ouais, ouais. Après, c'est important de le préciser parce que parfois, tu vois. Un personnage sur scène, il peut être différent. Bien sûr, ça voilà, arrive souvent. Et là, en l'occurrence... C'est un amour, en plus d'être un perfectionniste. Ouais, 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 quoi. C'est ça, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Bon, je m'étais renseigné avant. Hein, quand je ne pars pas sur la route. Ah ouais ? Ah bah, c'est dangereux. Non, non, vraiment. Quand coincé dans un camion avec des gens qui pètent les plombs, c'est une catastrophe. Donc, en fait, j'aime le ton et la sincérité avec laquelle tu as dit ça. Ah bah, c'est dangereux. Ça sent le vécu. Non, il faut faire gaffe, effectivement. La route, c'est quand même quelque chose de spécial. Donc là, c'est un catalyseur de plein de trucs. Donc si les gens sont pas... Il n'y a pas un minimum de stabilité, ça, on court à la catastrophe. Vous sentez les auditeurs de Party Time comme Martin a déjà fait de la radio ? C'est-à-dire que là, on pourrait quitter la pièce, il pourrait se poser les questions et les réponses tranquillement. Bon, on va le laisser. L'émission coulerait. À plus, les gars. Non, mais restez là, me laissez pas donc, seul. Et après cet épisode ensemble, vous n'en êtes pas resté là. Et c'est, donc, si j'ai bien compris, le concept, c'est que c'est Harrison Stafford qui t'appelle pour dire... Je veux que tu retravailles mon mythique album Ebron Gate, mais je veux pas un album de dub. Ça s'est passé pendant la tournée, justement, Liberation Time. Imagine-nous un petit peu en lendemain de 3 ou 4 dates d'affilée, un peu blanchâtre, l'un comme l'autre, de fatigue. Moite. On est sur la route du retour, lui doit prendre un avion ou un truc comme ça, on s'arrête dans une station, on essaye de se nourrir comme on peut parce que c'est pas évident. Et là, il se tourne vers moi et il me dit ça, oui, à ce moment-là. Et moi, je finis de mâcher mon truc en plastique et je tu lui dis d'accord, donc tu me parles bien de cet album, celui qui t'a rendu célèbre dans le monde entier, celui qui a pas moins de 15 millions de vues sur ceux qui comptent les vues, celui dont tout le monde parle, celui que j'écoutais il y a 20 ans, effectivement. Oui, oui. Et donc, tu veux pas un album de dub ? Non, non. Et j'ai dit, bah écoute, moi, ok. Voilà, le genre de challenge en fait qui m'éclate, moi, de toute façon, ça c'est moi, c'est parfait. Tu te mets en danger, tu risques d'en prendre plein la gueule, de toute façon, tu changes une virgule au truc, tu vas te faire engueuler par les fans hardcore parce que c'est une bible. Quoi qu'il se passe. C'est une bible. Non mais là, tu réécris une bible, si tu veux. Ah bah bon, ouais, ça, écoute, faut sortir couvert, quoi, faut prendre ton armure, si t'acceptes, tu joues le jeu si tu l'acceptes. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah écoute, allons-y. Je me suis permis de changer plein de trucs, comme les auditeurs qui connaissent cette magnifique version originale qui est devenue All I've Seen Today, qu'ils viennent d'écouter. Alors, je me suis permis de changer des harmonies, des instrumentations, etc. Mais tout ça, c'est quand même à partir des bandes originales enregistrées par Jim Fox en Californie à l'époque. Et ça, là, bah, c'est marrant que tu aies choisi ce premier extrait, et on est vraiment là-dedans. Là, tu vois, quand tu écoutes All I've Seen Today... c'est pas le gros cliché du dub, tu vois, tu l'as gardé vachement off, vachement, tu vois, rythmique, quoi. Oui, c'est ça, bass. C'est ça. Après, l'idée, c'était, moi, je voulais pas un concentré de modernité, de dub moderne, etc. Je vais vous montrer ce que mes machines et moi, on sait faire. Tu l'as déjà fait ? C'est ça, moi je voulais respecter l'œuvre originale, pas seulement la citer de temps en temps avec un petit sample et puis faire des morceaux de Brain Damage, ça sert à rien, j'avais pas envie de faire ça, ce genre de remix. Non, c'est vraiment, c'est eux qui jouent.
Alors j'ai maltraité les prises, hein, ça c'est sûr, mais j'ai essayé d'en garder l'essence même, et puis par contre de mettre ma patte à droite, à gauche. J'essaye de me mettre en mode petite souris qui rentrerait dans le studio pour devoir bosser, c'est-à-dire que quand tu prends les pistes... Tu prendrais un coup de balai. Tu tu mets les mains dedans, tu vois, c'est-à-dire, c'est comment tu fais, tu... T'isoles tout, tu repars de la batterie plus la voix, comment t'as procédé? T'as bien trouvé un petit process, quoi. Ouais, après quelques jours, je me suis dit, bon, écoute, tant qu'à mettre les mains dans le cambouis, je vais y aller carrément, je vais faire un truc scandaleux. Je vais commencer par faire un truc scandaleux. C'est-à-dire qu'ils sont respectés pour être d'excellents musiciens, jazzeux, qui jouent du reggae, il y a des impros, il y a des choses, ça bouge, ça groove dans tous les sens. Et je me suis dit, bon, bah ça, on va le casser. Barre-toi avec ton solo. On va le casser. J'ai isolé chaque note de tout l'album. Avec mon ordi à la main, etc. Ouais, ça c'est un truc de ouf. Enfin vraiment, c'est comme genre, imagine, je te dis, fini Candy Crush, quoi. Ouais, c'est ça. T'as dû morfler. Accroche-toi. Donc j'ai commencé par faire ça, en me disant, mais t'es complètement fou de faire ça. T'es en train de tuer le groove qui fait vivre. Mais il y a l'autre voix qui te dit, ouais, mais c'est bien. Exactement. Tu sais, le petit diable et le. Ouais, c'est ça. Et une fois que j'ai eu ça, en fait, j'avais tout entre les mains. Je pouvais intervertir des trucs, je pouvais rallonger des parties, je pouvais leur faire jouer à la section basse batterie des trucs qu'ils n'ont jamais joué. Et c'est ce que je me suis permis de faire. Donc effectivement, c'est un travail d'IA. Ouais. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, mais sauf que je l'ai fait à la main en fait. Ouais. Et que c'est ma sensibilité, j'ai réussi à essayer de mettre mon son, j'ai changé certaines tonalités, enfin j'ai fait plein de trucs complètement hérétiques pour les fans hardcore, je m'en excuse, je suis désolé les gars. Un truc que j'ai adoré avec par exemple les deux premiers tracks de l'album, de base, les bons vieux dubs, c'est t'as la version vocale, et puis moitié de morceau, donc ça switch d'une manière ou d'une autre, boum, t'as le dub. Et là, les deux premiers tracks, tu switches ça. Ouais, j'adore. Comme faire un ça. Petit taquin, t'attaques par le dub, machin, et la chanson viendra plus exactement, tard. Exactement, ouais. Bah, ça, c'est le genre de truc qui me fait marrer. Voilà. Ouais. Et si tu veux, cet album, il est empli de trucs comme ça. Et je tiens à souligner d'ailleurs que c'est à la fois pour les fans de base de cet album, je pense qu'ils vont être outrés dans un premier temps. Mais s'ils veulent bien se donner la peine, ils vont voir que je leur ai fait plein de clins d'œil, en fait. De changer des toutes petites choses, décaler. À un moment, j'ai décalé tout le groupe de deux temps, tout le monde est à l'envers. Enfin, il y a vraiment des trucs pour. Il y a un côté marrant, quoi. Alors tu dis que t'es un fan de Groundation, on va voir si t'es un vrai fan de Groundation. Cherche l'erreur. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. C'est le jeu des sept anomalies là. Et en même temps, faut que ça reste harmonieux. Enfin voilà. Et puis j'ai aussi ma patte à glisser là-dedans. Et le truc, c'est que oui, voilà, commencer par le dub et finir. Il y a au moins deux morceaux comme ça, effectivement. Et j'entends bien le faire en live aussi. Tu reconstruis petit à petit. Tu retrouves ton Groundation qui est ton kit. Tu vois. Au départ, c'est un peu le bordel, et puis finalement, à la fin, tu t'y retrouves. Et voilà. C'est un jouet Kinder, là. Exactement. Il va recevoir des mises en demeure dans la boîte aux lettres et tout. Ah non, le boss a dit que ça allait. Hein. Stafford est content, donc. Non, c'est vrai, c'est ce qu'il me demandait. Il m'a dit fais pas de dub. Dans le sens où t'enlèves pas la voix, tu mets des effets, ça suffira pas. Au-delà de je suis content, c'était quoi le feedback vraiment de Harrison? En fait, les premiers morceaux que je lui ai envoyés, je sais plus, il y avait tout un tas de mots en anglais vachement sympathiques. Waouh! What the fuck? Waouh! Non, mais ouais, je pense sincèrement, il a kiffé. Il voulait un ovni, il en a eu un. Après, s'il me demande à moi, il aura un ovni. Et c'est ce que je lui dis, hein, t'es sûr, tu veux pas appeler Scientist, Mad Prof, j'en sais rien moi. Ouais, Scientist, j'ai déjà essayé, ça a pas marché, nanana. Il voulait ma pomme. En l'occurrence, je pense que ça m'étonne toujours quand on fait appel à moi. Je devrais être habitué pourtant, mais bon voilà, je me dis, mais t'es sûr, il y a quand même. Mais bon, j'ai dit oui, et puis c'est vrai que je pense pas que Mad Prof, par exemple, y ait passé autant de temps que j'y ai passé moi. Parce que c'est vrai qu'encore une fois. Bah, à part la partie Candy Crush, il y a eu aussi de découpage, il y a eu aussi tout le boulot derrière, et en fait j'y ai passé des mois. Et c'est sûr que si t'appelles une resta d'une autre envergure que mon humble personne de Saint-Etienne, il prendra peut-être pas forcément le temps de s'acharner voilà. Donc, comme ça, bien et sûr. Puis, ouais. Comme on était en train de bosser ensemble, il a bien vu que j'étais un besogneux et que si je prenais le truc, si je décidais de le faire, je le ferais pas qu'à moitié. Et c'est vrai que j'ai mis mes tripes là-dedans, oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça m'a fait marrer. Mais. Alors tu dis, tu vois, bon, la plupart des solistes ou machin, par exemple, t'as dit, allez, va-t'en, ou t'en as remis des petits bouts et tout ça. Il y a quand même un instrument que t'as vachement remis à chaque fois, c'est le trombone.
Ah bah parce que c'est encore une fois c'est leur formule de reggae jazzy avec des impros. Je voulais pas tout casser. Ils jouent comme des dieux. Il y a tous les mais tous en fait. On va tous les citer. La paire basse batterie c'est une tuerie. C'est moi ça m'a fait vachement progresser de mettre mon nez là-dedans hein, parce que je me dis ah ouais tel break ils le font comme ça etc. Moi mes prochaines procs de batterie je pense que je vais garder des trucs forcément. Je suis influencé par ça. Mais pareil pour les autres instruments le claviériste. Marcus il est, enfin, je veux dire, c'est... là, si tu veux un cours, un masterclass sur les pompes de reggae, tu peux y aller. Hein. Si on les avait reçus en live à l'époque, il avait ramené son synthé directement. Bon, bah, t'as vu l'animal. On s'en rappellera jusqu'à. C'est ça. Ouais. Donc, effectivement, encore une fois, tuer leur groove au départ, ça m'a un peu fait mal, mais ça, c'est vraiment. Un mal nécessaire. Ouais, parce qu'après, ça, j'ai eu toute ma liberté de faire ce que je voulais avec, et du coup, je pouvais partir plus loin. Et je savais que Stafford n'aurait pas peur parce que c'est encore une fois c'est ce qu'il voulait. Ouais. Une expérience musicale. Et ben en parlant d'expérience musicale, est-ce qu'on s'écouterait pas une nouvelle étoile et qui est a new star. T'es pas mauvais toi. Je crois qu'on va t'embaucher dans l'émission toi. T'es pas mauvais. T'as les bonnes transitions. C'est on bon, s'écoute. Je peux revenir. Oui. Tu m'appelles tout à l'heure, on conviendra pour la semaine prochaine. A New Start, exactement. Deuxième extrait ce soir qu'on va s'écouter de cet album. Ça sort le 26 mai. Grand Nations meets Brain Damage sur ce nouveau projet complètement ouf. Deuxième extrait, mets-toi bien, mets-toi cool. Dans Party Time, A New Start. C'était le morceau A New Start à retrouver d'urgence sur ce nouvel album. Ça sort le 26 mai et on est toujours avec Monsieur Martin de Brain Damage pour venir parler de ce projet complètement
hallucinant et sans IA, garantie 100% sans IA. C'est comme Halal, mais là, ouais, il y a sans IA. On va trouver un nouveau label. On va trouver un nouveau label. Ouais, ouais. Oh, ouais. Eh bien, oui, oui, bravo, monsieur Martin. Mais... Jacques Martin. On parlait, tiens, juste avant le track, tu parlais de Marcus Urani. Son intro de clavier sur They Are Wrong. Ouais, c'est ça. Rhodes, Org. Fabuleux. Fabuleux. Non, mais c'est pour ça. Le truc, ouais, c'est qu'il faut. C'est toujours la même chose quand on a des prises de cette qualité entre les mains. Il y a toujours une petite appréhension à bosser avec. Mais ça, je commence à avoir une petite habitude parce que quand je suis revenu de Jamaïque avec justement les prises des Elders dont on parlait tout à l'heure, c'était pareil. Il y a une pression. Tu te dis attention, là, je ramène un truc quand même. J'ai l'impression qu'on m'a donné un trésor. Ils seront pas là pour toujours, ces gens-là. Donc, faut que ça suive derrière. Donc, il y a une pression, c'est sûr. Et un musicien comme Marcus, oui. Alors, il y en a eu d'autres. Hein. Tu sais, j'ai fait un projet en Colombie, notamment, avec des musiciens hallucinants dont on connaît pas les noms. Mais j'ai un peu le même feeling. Je dis, attention, là, on me donne quelque chose. Faut que je sois à la hauteur à chaque fois. Hein. Et ça partira pas, je crois. Hein. Au bout de 25 ans, si c'est encore là, c'est que... De toute façon, quand tu vois des mecs qui ont un talent et un métier fabuleux devant toi, tu le sais, il y a quelque chose de spécial. Regarde... Avant toi, l'invité, c'était B.T. McLean. Bon. On lui a dit, tu peux chanter sur le Party Time Reading. E.T. McLean. Ouais, E.T. McLean. C'est son frère. Ça fait un truc. Tu sais que t'es en présence d'un grand. Et oui, effectivement, tu dis, faut honorer ça. Quoi. C'est... Bon, bah, c'est qu'on fait de beaux métiers si on a affaire à des gens comme ça. Il y a pire. Ouais, je pense qu'il y a pire. Ouais, il y a pire, c'est clair. Et sur ce fameux album Hebron Gate, il y avait quelque chose de spécial, c'était que... Monsieur Stafford, il avait ramené Cedric Myton dessus. Et un Cedric Myton comme on ne l'avait pas entendu depuis longtemps en plus. C'est vrai. Je me rappelle quand j'avais écouté à l'époque, je m'étais dit, mais comment il a fait Oui, parce que maintenant on le voit plus, c'est sûr. Mais à l'époque, c'était un peu. On savait pas. Je sais pas ce qu'il est. Il a dû avoir une petite traversée de Il y a eu quelque chose, ouais, j'en sais rien. Chose, ouais. Là, il est là et bien là maintenant. C'est cool d'ailleurs, ça fait plaisir de voir carrément. Que. Enfin, il y a de la reconnaissance là pour ces Eldor en France en ce moment avec le projet. C'est la gentillesse incarnée, c'est clair. C'est bien. Donc là, tu veux sûrement parler des deux morceaux. Il y a aussi Don Carlos. C'est les deux Eldor qu'il avait conviés. Pas n'importe lesquels. Hein. Donc là aussi, pareil, je me retrouve avec ces prises-là. Faut essayer d'en faire quelque chose. Don Carlos. Voilà. Don Carlos, quand même. Oui, non, c'est ça. Donc, même chose que pour le reste. Hein. Au début, pas de quartier. On découpe et puis après, on essaye de remettre de façon harmonique, etc. Voire même d'essayer de faire groover le truc. Encore une fois, le crève-cœur. C'est sûr. Je devrais pas le dire, peut-être. Non, mais si, c'est au contraire, moi je trouve ça très intéressant. Moi aussi, je pense que justement, parce que c'est moi, qu'est-ce que je peux apporter si ce n'est ma culture, ma vision à moi, mes outils à moi. Ça sert à rien que j'essaye depuis le début, hein, de toute façon, dans ce que je fais. J'ai pas envie d'essayer d'imiter un Jamaïcain ou un Anglo-Jamaïcain. Moi, je suis de Saint-Étienne, en fait. Donc, je fais avec ce que je connais, ma culture. Mais merci de le dire, je trouve ça très intéressant. Voilà. Je pense que c'est comme ça que tu prends de l'étoffe aussi. Mais je pense que c'est comme ça qu'on fait des trucs qui n'ont pas déjà été faits 50 fois aussi. Et de faire une espèce de truc que finalement je ne maîtriserais pas et qui ne serait pas à la hauteur. Et que finalement, autant faire jouer des Jamaïcains parce que ce serait mieux. Donc, je deviens producteur, je fais jouer les Jamaïcains et je sors le disque. Mais c'est un autre métier. Tu connais le proverbe, on vend pas du charbon à des mineurs. Ok, ça marche. Moi, je suis de Saint-Étienne, donc fais gaffe quand tu parles de la mine. Au nord, c'était les corons. T'as capté le clavail. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est moi, à bien des égards, c'est important cette philosophie dans le boulot. Ce qui me conduit d'ailleurs, et ça, c'est vrai que j'en parle à chaque fois, j'essaye de m'expliquer, mais en live notamment, je joue pas sur les sonos traditionnels. Artisanal, sound system, ça fait des années là maintenant que je l'ai plus fait. Je le faisais avec Rico à un moment, on avait tourné d'OBF, avec Steve Vibronix aussi, on a fait ça en Angleterre, etc. Mais j'adore cette sound system culture qui est en train de devenir énorme en France d'ailleurs, ce qui fait que je me fais prendre la tête régulièrement parce qu'on m'invite sur les sonos et je dis moi je fais pas ça. Et pourquoi j'en profite pour réexpliquer que moi, petit Françaoui de Saint-Étienne, j'ai grandi finalement dans un pays où il y a des infrastructures complètement hallucinantes, des salles de spectacle avec justement des sonos calibrés, des scènes, des éclairages, etc. Et nous, avec Hightone, Impro, les groupes que je citais tout à l'heure,
on a présenté la version du dub français comme ça, avec ces outils-là. On avait l'intermittence aussi qui nous permettait d'avoir plus de temps. On trimballait dans nos camions des techniciens son, lumière, vidéo, etc. Ce qui fait que c'est ni mieux ni moins bien qu'autre chose, mais on a présenté une version du dub qui n'a été présentée nulle part dans le monde. Je vois pas pourquoi tu t'interdirais de jouer, je sais pas, sur des L acoustiques qui sonnent comme du cristal. C'est pas, ouais, mais du coup, si tu veux, il y a une espèce de choix, pas spécialement militant, mais... J'essaye de communiquer là-dessus pour dire je snob pas du tout les sonos artisanales, j'adore le son que ça a, etc. Mais c'est pas ce que je veux faire en fait. Et puis je pense que, tu sais, l'outil c'est l'outil. J'adore que les mecs fassent leurs sonos et tout ça. Après, l'outil reste un outil. C'est avant tout l'art que tu fais, comme tu le fais, qui prédomine en fait. Oui, c'est le même débat que vinyle pas vinyle en fait. C'est des pas fois. Faux, à cela près que normalement autour d'une sono, normalement il y a un état d'esprit, etc. Bien sûr. Voilà, que tu retrouves quand même assez souvent chez les gens qui ont compris de quoi il s'agit. Ouais. Donc mais c'est vrai que voilà. Quand je dis ça, c'est très bien de défendre les trucs pour lesquels t'es convaincu, tu vois, tes convictions. Après, c'est ça non plus, tu as le taliban, quoi, tout va bien. Ah mais moi, je te dis pas ça. Toi. Vraiment. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est vrai que voilà, je m'y tiens et je refuse plein de propositions. Et c'est vrai que voilà, il faut que tu m'expliques. Ça me rappelle cette interview des Roll Brand où il disait, putain, tous les Européens ils me saoulent et que les trucs analogiques, ils sont pas tapés les heures de studio avec les bandes à galérer comme moi. Je kiffe ma race avec le numérique, tu vois. Bah si tu veux pour aller plus loin, faut l'écouter aussi. Dans ce genre parallèle, la sound system culture, elle est venue un peu par défaut en fait. Hein. Débrouillardise. En Jamaïque avec ces musiciens hallucinants qui étaient souvent des jazzeux d'ailleurs qui jouaient le reggae, etc. Mais ils avaient juste pas d'endroit pour se produire en public, à part dans quelques hôtels parfois de blancs, mais c'était quand même pas terrible. Donc leur musique, ils pouvaient pas la jouer en live en fait. Tout simplement, ils étaient kéblos dans les studios. Oui, comme à l'époque de Byron Lee and the Dragonheads, tout ça et tout, c'était un groupe d'hôtel. Mais même encore maintenant, si tu veux, hein, là maintenant ça s'est un peu développé, etc. Mais ils n'ont pas les infrastructures qu'on a là, nous, pour bosser. Bien c'est sûr. Quand même hallucinant. Quoi. Donc, alors là, c'est sûr, tu mets la sono sur la place et puis là, tu fais péter les vinyles. Mais les musiciens, ils auraient adoré jouer dans les salles qu'on a. Évidemment. Ils auraient kiffé. C'est exactement donc c'est vrai ça. Que voilà, moi du coup, je m'en sers. On a ça, on y a accès. C'est pas pour. Il faut se battre, hein, bien sûr, parce que c'est pas non plus. Mais quand tu vas à l'étranger, ne serait-ce qu'en Angleterre ou en Europe, et puis si tu sors de l'Europe, je t'en parle même pas, pour avoir accès à des trucs pareils, mais c'est juste pas possible en fait. Mm-hmm. Nous, on a cette chance-là. Donc c'est vrai qu'avec les copains de l'époque, on a développé cette musique-là, dub notamment, sachant qu'il y avait rien de toute façon à ce niveau-là, à peu de choses près, avec ces outils-là. Et donc ça a donné un truc unique et moi c'est vrai que ça m'intéresse, ça ressemblait pas au son de Kingston, de Londres, de rien du tout quoi. Ouais, essayer de trouver sa voix. C'est autre chose, après t'aimes pas, ça c'est encore autre chose, mais on avait notre truc à nous, c'est vrai que je continue à défendre ça. T'as connu l'époque des années où il y avait les soirées de dub action avec Elephant System, tout ça. Marco et Trispa, c'était dingue, c'était vraiment les premiers, l'effervescence du dub en France, c'était les soirées, c'était dingue. Et nous à Saint-Etienne, on organisait les mêmes tournées, là on les faisait passer parce qu'ils faisaient venir des artistes, etc. Bah, notamment l'arrivée du dub UK là, qui déboulait. Là, c'est pareil, un gros choc. Moi, j'ai dû voir Aggression en 12, 13, un truc comme ça en Angleterre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il jouait en live avec Routical, là. C'était un truc d'extraterrestre. Quoi. Ça doit être comme moi quand j'avais, je sais pas, quand j'ai écouté Public Enemy, 8-9 piges, j'avais les scratchs. Je me suis dit, Bah, moi, pareil, la claque à l'époque, quand j'ai découvert Alpha et Omega, c'est ça. Le duo anglais. C'est ça. C'est passé de la culture Sound System, Studio One, Exterminator, Digital Bee, puis boum, on te met du Alpha Omega dans l'oreille. Waouh, c'est quoi ce truc-là? Je me rappelle. Et pourtant, c'est du reggae. Moi, la première fois, j'ai même pas compris. J'ai compris un peu les codes reggae, et tout, mais c'est du reggae. Et c'est vrai que tous ces gens-là, je me suis permis de les contacter. J'avais fait 5 titres. Là, en 99, là, je sors un maxi et là, j'appelle Neil de Zion Train et je lui dis, tiens, je voulais juste le faire écouter. Et il me dit, ouais, tu veux un remix? Je dis, ouais. Oui. Et puis après, je me suis dit, mais attends. Et puis là, j'ai contacté Disciples, Alpha Omega et tout, puis c'était parti, quoi. Et en fait, je me suis aperçu qu'ils étaient super, super chauds pour faire sûr. Les... Ouais, non, bien mais... sûr. Voilà. Toi, au niveau live, là, bon, tu vas pas tout spoiler, mais qu'est-ce que tu nous prépares, là, avec ce nouveau joujou là. Tu parles de joujou, c'est bien parce que justement ça va être ludique à fond.
J'ai ouais. récupéré donc les bandes originales qui ont été numérisées. Moi, je les ai Brenda Medjizé. Ok. Nouveau et, verbe. Et, voilà. La rousse 2023. Ouais, super. Et avec un Z par contre. Hein. Ouais, non, pas ouais. de soucis. C'est quoi et là, bah, j'ai ça sous le bras. Je me pointe avec mes machines, consoles et compagnie. Et je suis en mesure de garantir des versions différentes chaque soir. Ça va être ouais, c'est pied. Ce que j'allais dire. Ouais, ça va être le pied. Je refais le truc live and direct. C'est pas une routine, c'est pas un playback, machin. Non. Moi, faut que ça joue. Faut que... D'ailleurs, ça peut foirer. Ah oui. Voilà. Oui, tu là aussi, il y a mise en danger. Pars pas dans cette optique-là. Tout non, va bien se passer. Foiré, j'entends. Annonce les dates. J'entends. Les jours de mes formes, c'est moins bien que les jours. Comme tout le monde. Avec les machines, ça dépend. Parce mais que sportif, si tu... c'est pareil. Hein. Ouais, mais si tu presses juste play, normalement. C'est censé marcher. Voilà. Alors que là, non, mes trucs, ils sont chiants. Si je presse play et que je fais rien, on va vite s'ennuyer, ça, c'est clair. Donc, il y a des moments de grâce, il y a des moments... Enfin, voilà, ça flotte, ça bouge, quoi. C'est vraiment ce qui me tient depuis 25 ans sur scène. Ouais. J'ai toujours fait ça, mais là, je le ferai avec ces bandes-là et j'ai hâte, en fait. C'est une bonne chose. Ah, mais ça, j'en suis fier. Je pense que ne pas prendre de risques, c'est s'interdire aussi des sensations fortes. Ah, mais complètement. Complètement. Pour tout le monde, pour moi, comme pour les gens qui sont là. Quel que soit le domaine, quel que soit l'humain, c'est vraiment... Donc j'ai hâte. Là, ça va commencer. Surtout que j'ai pas rejoué depuis un petit moment, en fait. Parce que depuis le Covid, on a tourné l'album de Big Dude d'une façon super particulière. Je sais pas si vous aviez suivi. Donc tout est arrivé pendant le Covid. L'album est même sorti pendant limite les confinements, etc. Et on est reparti, nous, les premiers, parce que j'ai proposé une formule où ça jouait 3 fois par jour et j'accueillais 10 personnes, les gens 10 par 10. D'accord. Voilà, donc okay. on appelait ça les Little Big Sessions. Et je jouais l'album de Big Ute, justement, qui était tout frais, etc. L'appareil, version différente à chaque fois. Vous pouvez pas imaginer, on en a fait 100. Putain. Imaginez le kiff que ça a été. Il y a eu un engouement. Pour moi, ouais. comme pour les gens. Ah bah les gens, ils étaient 10 juste devant moi. On était dans la même pièce. C'était vraiment, on est tous dans le même salon. Et là, enfin, il y avait des interactions. Je les voyais. On rigolait. On avait les poils qui se dressaient. Et puis à chaque fois, à la fin de chaque session, il y avait entre une demi-heure et une heure et demie de discussion avec les gens, calmement autour d'un verre et tout. C'était vraiment, je rêvais de faire un truc comme ça depuis X temps. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des origines du sound system. Ah bah là. C'est le même. Non, mais quand je te dis ça, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que d'un truc où ah t'es bloqué ou alors t'as pas les moyens, et ben. Ah mais moi c'est ça. Tu crées quelque chose. De toute façon, il était hors de question que je reste chez moi, donc ça c'est sûr. On fait avec ce qu'on a. T'as déjà des dates à annoncer là pour l'été qui arrive? Ouais, il y en a plein, mais évidemment je les bon, ai pas bien en sûr, tête. Vous allez sur le site I Welcome, tenu par Max, Monsieur Max Nordès, qu'on salue. Ouais, salut Max. Il doit pas être loin, il est pas très loin, t'inquiète pas. Je connais pas. Je sais qu'il nous regarde. L'album sort donc c'est le 26 et le 26 27. Mai. Il y a cette magnifique date en compagnie de Groundation là pour le coup. On sera là, on sera tous là. La seule mauvaise nouvelle pour les gens qui n'auraient pas leur place, complet. C'est que c'est complet. Ah bah, à ton avis. Ah mais je connais bien le mec de la sécu. Hein on demandera à Fargani. Hein, on demandera à Fargani. C'est ça même. Et à Mousse. Et après, on a ouvert juin-juillet, donc il y a ces festivals. Là, il y en a une petite quinzaine, je crois. Je crois que c'est pas tout annoncé là-dessus. Avec les outils digitaux dont on dispose tous. Il y aura moyen de faire suivre l'information, t'inquiète pas. I Welcome, vous allez sur le site d'I Welcome et bien sûr vous tapez Brain Damage sur votre moteur de recherche et bien sûr vous tomberez sur les dates à venir. Nous, on ne manquera pas de les rappeler aussi. Scrutez le ciel, il y a des ovnis dedans. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a des E.T., comme dirait. Hein. Mais en tout cas, donc pas mal de dates qui arrivent. Ouais, ouais, il y a des gros comme des plus petites. De festivals, bah ouais, il y a du Dubcamp par exemple. Incontournable. Incontournable et qui ont spécialement fait une scène live pour les râleurs comme moi. Les relous comme toi. Ouais, les relous. Ouais, c'est exactement. Cool. C'est cool. Ouais, mais c'est cool. Justement, on trouve des terrains d'entente et on y arrive. Ouais. Ça va être super. J'ai hâte. Je suis jamais allé du coup là-bas vu que je suis un ayatollah du. Non, c'est toi qui as dit tout à l'heure, sûrement. Versus Taliban, tu sais. Ah oui, t'as dit Taliban, pardon. Non, mais c'est super. Il y a le Fusion en Allemagne, là, qui est un festival stratosphérique aussi. Il me faudrait des heures pour en parler, mais c'est incroyable. Il y a plein de choses. On va croiser plein de monde. Et ça s'arrête en août, mais ça reprend en septembre. Et là, ça tourne dans les clubs, etc. Ça va reprendre sur du rythme brain damage habituel, c'est-à-dire assez forcené quand même. Donc, pas d'excuses si vous ne voyez pas ce live, parce que normalement, ça passe vers chez vous. Hein. Je sens
sens qu'on va voir Martin septembre-octobre avec des cernes comme ça et la barbe blanche. Ouais, c'est possible, mais finalement, tu vois, on en a vu d'autres. Ouais. Même pas peur. Ouais, même pas peur. Au contraire, amen. Bring it on. Moi, j'ai deux mots à dire, c'est bravo et merci. Eh ben, merci à vous. Merci en tout cas, Martin, d'avoir géré le jeu des interviews pour la première fois dans Party Time. Allez, hein, avec plaisir. Toutes ces années qu'on se côtoie. Bah ouais, ouais. On la souhaite même pas la réussite de ce projet-là, parce qu'on sait, très bien que ça va marcher. Il y a l'empreinte Ground Nation dessus, ses gages de qualité et de réussite. Avec ta touche à toi, ton travail, ta vision de la musique, ta vision de la déstructuration et de la restructuration. Et comme disait Tyrone, parfois c'est bien de se déconnecter pour mieux se reconnecter. Ouais. Et là, t'as reconnecté. L'essence même de cet album qui est devenu un classique pour des millions d'auditeurs reggae et non pas qu'en Californie à travers Hebron Gate, ouais. Qui est vraiment un masterpiece du reggae music actuel, contemporain, et t'en as refait un autre bijou à l'image de Dreaming from an Iron Gate. Il a réouvert le portail. T'as vu, ça sera marqué, Max. Note. Je rappelle que les trois singles disponibles, Forgiveness, Deep Areas et Dreaming from Iron Gate. Tu peux pas changer le nom de l'album, s'il te plaît, rien que pour moi. On va appeler Harrison. On va rester, voilà. Ça va pas du tout. Et pour la petite anecdote, tu lui rappelleras que j'avais fait un Je te tiens, tu me tiens par la barbichette à la Bellevilloise avec lui. Alors ça, j'aurais pas osé, moi, mais bon. Je sais pas s'il s'en rappelle. J'essayais de trouver depuis tout à l'heure la photo. Je vais te trouver la photo, elle est quelque part, dans mon téléphone. En tout cas, nouveau projet commun à Ground Nation et Brain Damage à retrouver d'urgence. N'oubliez pas la date parisienne, elle est bouclée, elle est complète. Donc rattrapez-vous sur les autres, vous tapez sur I Welcome et bien sûr Brain Damage et vous aurez toutes les informations concernant ce nouveau projet qui est carrément ouf, c'est une bombe atomique. Maintenant, ça va être l'heure du freestyle, il va nous interpréter avec la voix d'Harrison Stafford en live. T'as eu peur. Non, on n'a pas pu faire venir Harrison ce soir, donc il n'y aura pas de live ni de freestyle, mais en tout cas je vous encourage grandement et intensivement à vous procurer ce nouveau projet dès le 26 mai. Distribution Baco Record, ce qui signifie que ça sera disponible partout, dans tous les réseaux, dans tous les formats possibles. Nous, en attendant, on s'écoute un troisième et dernier extrait, histoire de se faire gravement plaisir. Un peu plus chelou celui-là. Je préviens les gens. Eh ben, on va voir ça, c'est à eux d'en décider, c'est à vous d'en décider, vous nous envoyez un petit courrier pour voir si c'est chelou. Martin, il a retourné la terre du jardin. Martin le jardinier. Allez, trêve de plaisanterie, troisième et dernier extrait ce soir, The Garden. Merci en tout cas, Martin, d'avoir répondu à nos questions. Allez. À très bientôt sur la route. Avec plaisir. Et bien sûr, tu es le bienvenu encore une fois dans Party Time quand tu veux pour le prochain projet. On t'attend avec impatience. Ça roule. Tout de suite, The Garden, extrait de Dreaming from an Iron Gate, Brain Damage meets Ground Nation. Tout de suite dans Party Time, mets-toi cool et après on continue l'émission tranquillement. Lions, yeah, when they're bound.
De retour à l'antenne. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette belle émission avec Brain Damage. Et en première partie, bah, ça c'était le cadeau, le vrai cadeau, monsieur Beatty Maclean qui nous a fait vraiment l'honneur d'être là. Ouais. Parce que tout le monde sait, hein, dans le milieu des médias, que c'est pas facile de l'avoir au micro. C'est plutôt rare en interview. C'est ouais. plutôt rare. C'est clair. Donc voilà, c'est vraiment un blessing, ce qu'on dit en anglais. C'est, tu ouais. vois, j'arrive quand même à dire certains mots en anglais correctement. C'est vraiment une bénédiction de l'avoir eu ce soir. Donc voilà, une très belle émission, en tout cas, qui a été bouclée. Ouais, puis bah, franchement, t'as eu petit aparté, mine de rien. On fait une belle saison avec Party Time, mais j'aime bien la variété de ce qui est passé déjà jusqu'ici, tu vois. Je parle comme si c'était fini, mais exactement. Ça ne l'est pas. Malgré ce que disent les détracteurs, il y a toujours des gens qui disent « Oui, Party Time, vous recevez un tel, vous recevez pas l'autre, celui... » On essaie de recevoir machin, comme on peut. Les copains. Voilà, c'est pas une histoire de copinage. On essaie de suivre l'actualité. Quand il y a des choses qui doivent être promotes, eh ben, on essaie d'être là sur le champ. Et big up à tous les autres médias, toutes les autres émissions qui font même travail, qui gaspillent la sueur, leur temps et leur argent aussi à faire les choses par passion, comme nous depuis 1997. C'est ça. En tout cas, merci Jahil, merci Chika, merci Flo, merci Matt. Merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous les internautes qui nous ont suivis ce soir. Rendez-vous dans 15 jours avec encore une belle émission en perspective. On a des surprises dans le sac. On va pas trop parler, pas parler trop. Big up Tyrone aussi, big up tous les artistes qu'on a reçus ces dernières semaines et tous ceux qu'on va recevoir dans les mois et les semaines à venir. Et merci à vous tous. Rendez-vous très 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 bientôt. C'était le Party Time. Mets-toi bien, mets-toi cool. À très bientôt. One love.